Depuis deux ans maintenant, l'équipe de France a battu toutes les nations majeures du rugby mondial. Il n'en reste qu'une, l'Afrique du Sud. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au stade Vélodrome de Marseille dans une ambiance de feu pour un match que nous attendons tous maintenant depuis des mois et des mois. Le 15 de France a rendez-vous avec les champions du monde en titre, les Springboks, l'Afrique du Sud. Bien évidemment, nous sommes tous en place pour vous faire vivre cette superbe soirée. Au bord du terrain, Cécile Gray. Salut Cécile. Salut Cédric, bonsoir tout le monde. Et puis en position commentateur, Mathieu Lartaud, Dimitri Achevili également en place. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric, bonjour à tous. À mes côtés, Vincent Clerc. Évidemment Vincent, on le sent, c'est l'ambiance des grands soirs ce soir ici à Marseille. Le public est chauffé à blanc, mais on le sait, c'est déjà pas facile de jouer les Springboks en règle générale. Et là c'est une bête blessée qui se présente ici ce soir, puisque les Boks ont perdu la semaine dernière en Irlande. Oui, bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que l'ambiance du stade donne le ton un peu du match, qu'on va retrouver de l'intensité, du bruit, de l'énergie. Il va falloir ça à cette équipe de France. On joue une équipe qui excelle dans l'intensité, dans la brutalité même. C'est vrai que culturellement, cette équipe des Boks, elle aime imposer un défi physique, elle aime renverser son adversaire. L'équipe de France a les armes, elle n'a pas changé son 15 de départ, elle a battu l'Australie, elle s'est retrouvée après quelques mois, elle n'avait pas joué ensemble, donc elle doit monter aussi en puissance et surtout dans le combat. Alors, on le sait, la France n'a pas battu l'Afrique du Sud depuis 13 ans maintenant, 13 longues années. Elle reste sur 7 défaites consécutives. Comment ce soir trouver la solution contre cette équipe des Springboks qu'on vient de voir là dans les vestiaires, qui harcèle ses adversaires pendant 80 minutes? Comment faire? Déjà les prendre à leur propre jeu. C'est vrai qu'ils aiment le défi physique. On a un pack costaud, on a des joueurs qui sont denses au centre du terrain, en troisième ligne. Il va falloir répondre présent dans le combat au sol, dans cette intensité, en mêlée, en conquête. On a vu qu'on avait eu quelques petits soucis en début de match la semaine dernière. Et puis être patient, trouver des solutions, le pied peut en faire partie, mettre de l'incertitude à ces Sud-Africains avec un maximum d'options autour du porteur du ballon, des rucks qui doivent aller vite et du jeu au pied précis, avec peut-être du jeu au pied juste derrière la défense, pour permettre aux Sud-Africains d'hésiter et de peut-être monter un petit peu moins vite. Alors on va tout de suite aller voir Cécile pour les dernières infos. Cécile, la semaine dernière, à l'échauffement, on a eu une mauvaise nouvelle avec la blessure de Kylian Gerassi. Mais j'espère, je croise les doigts, tout s'est bien passé cette fois. Tout le monde va bien. Alors il y a tellement de bruit que j'ai l'impression que je vais crier comme sur le vieux port. Mais c'est pas grave. Il fait doux ce soir pour vous donner une petite idée. 15-16 degrés, peu de vent. La douceur du temps va contraster avec l'âpreté des contacts qui attendent l'équipe de France. Le toss a été remporté par les Bleus qui vont donner le coup d'envoi. Et puis ce soir, on voulait aussi avoir une pensée pour Eden et Abel qui se battent contre la maladie de Sanfilippo. Et les parents d'Eden et Abel ont monté une association qui s'appelle Vaincre la maladie et qui récolte des fonds pour les aider eux. Et évidemment, tous les enfants atteints, vous pouvez vous y rendre et participer à cette bonne action. Bon match. Merci beaucoup Cécile. C'est l'heure, les joueurs vont bientôt sortir. Mathieu, Dimitri, le jeu ce soir, c'est de prendre le jeu à son compte. L'équipe de France va tout faire pour, et on sait très bien que le coup d'envoi et les 20 premières minutes vont être décisives dans ce match. Nous allons tirer les premiers, c'était les mots cette semaine de Fabien Galthié en conférence de presse pour affronter ces champions du monde, la dernière équipe à pouvoir battre très probablement l'équipe de France dans cette année bourrifante, cette année parfaite, grand chelem, une série de 11 victoires consécutives. Dimitri, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau ce soir d'épingler les partenaires de Colissi. Oui, c'est sûr, c'est une date qui a été cochée dans le calendrier depuis 3 ans maintenant. On reçoit les champions du monde, on sait qu'il va falloir être présent dans le combat, dans le défi physique. Ils ont été éduqués comme cela, ils ont appris à dominer leur adversaire par la force, par la puissance. Mais il va falloir garder de la lucidité, lever un peu la tête et rester inspiré comme on a su le faire la semaine dernière notamment et les dernières semaines avec cette équipe de France magnifique. Et se nourrir de l'énergie qui émane de ce Vélodrome bouillant ce soir. 68 000 personnes à guichet fermé pour ce France-Afrique du Sud. Regardez plutôt et profitez de cette merveilleuse ambiance sur la sortie des deux équipes.
10 mois de la Coupe du Monde en France, c'est le test ultime pour les Bleus ce soir. Les Bleus qui restent sur une série de 11 victoires consécutives. Les Bleus qui ont gagné le Grand Chelem. Les Bleus qui n'ont plus joué l'Afrique du Sud depuis 4 ans. Les Bleus qui n'ont surtout plus battu ces Sud-Africains depuis 2009. C'était à Toulouse. Et le capitaine Antoine Dupont était alors encore à l'école de rugby de Castelnau-Magnoac. Voilà le défi de l'équipe de France ce soir, dans un stade Vélodrome absolument en fusion. On va vibrer et on espère une 12e victoire de rang pour l'équipe de France, évidemment, à l'issue de ce match. Mais avant cela, les hymnes. Et pour l'Afrique du Sud, Nkosi Sikelel'i, Africa, que Dieu protège l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous invite, s'il vous plaît, maintenant à vous lever pour les hymnes nationaux. Et on commence tout d'abord par l'hymne national de l'Afrique du Sud. Dear friends, please stand up for the national anthems. We will start with the national anthem of South Africa. Magnifique, les champions du monde ont leurs supporters présents aussi nombreux ce soir au stade Vélodrome. Maintenant, c'est l'heure de la Marseillaise pour l'équipe de France. La chair de poule, mon cher Dimitri Yazini, énorme, énorme Marseillaise ici. Vous découvrez, on va le découvrir ensemble, 15 de départ aligné par Fabien Galthié et tout son staff. Et pas de surprise, hein, on prend les mêmes et on recommence, on ne change pas une équipe qui gagne. Celle qui s'est imposée la semaine dernière face à l'Australie est alignée ce soir au coup d'envoi avec cette première ligne. Cyril Baye, Julien Marchand, Winnie Antonio, la première ligne du Grand Chelem de l'équipe de France. En deuxième ligne, on retrouve l'attelage Cameron Wauki et Thibaut Flamand. En troisième ligne, Anthony Gelon et Charles Olivon en cadre, Grégory Aldrit. À la charnière, le capitaine Antoine Dupont associé à Romain Tamac.
La paire de centres qui aura un gros boulot ce soir. Jonathan Danti, fraîchement papa, associé à Gaël Ficou. Et puis le triangle derrière, Moefana, Penaud, Ozel, Thomas Ramos, auteur de 20 points la semaine dernière face aux Wallabies, titulaire numéro 15 et buteur des Bleus. En face, 9 champions du monde sur le 15 de départ. Enche, Mbonambi, Malherbe. Une première ligne très solide. Que dire de cette deuxième ligne et de Sebet et Moster qui remplacent un absent de Jagger de dernière minute. Colissi, le capitaine, Smith, Dutoit pour une troisième ligne très complémentaire. Faf de Klerk, Willem C pour la charnière. Du lourd, du puissant, du perforant au centre du terrain. D.L.I.N.D. et Krill. Et puis le triangle arrière, Arendse, Colby et Leroux, arrière de cette équipe. Chessin Colby qui sera le buteur de cette équipe sud-africaine. C'est peut-être le point négatif de cette équipe dans cette tournée qui n'a plus réellement de buteur. Et quand on connaît l'histoire des Springboks, c'est une rareté, Dimitri. Oui, c'est sûr. Dans l'histoire de cette équipe, il y a toujours eu de grands buteurs puisqu'ils utilisent beaucoup la force, la puissance, le secteur de la touche et de la mêlée. Donc on va voir ce soir dans quel... réussite sera Chessin Colby. L'arbitre du match, on le connaît parfaitement. Il entre dans l'histoire ce soir. Wayne Barnes devient l'arbitre le plus capé sur la scène internationale. 101e match, il dépasse Nigel Owens. Coup d'envoi donné par Romain Ntamack. C'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Un ballon récupéré par les Sud-Africains et en l'occurrence Smith qui a remplacé au pied levé Viseux, victime d'une commotion la semaine passée à Dublin. Première balle pour le poison pilote de cette équipe, Faf de Klerk, qui essaiera d'exercer une grosse pression sur Antoine Dupont et ses partenaires ce soir. Le dégagement du demi de mêlée dans les bras de Thomas Ramos. Ouais, il va laisser le ballon dans l'air de jeu. Première relance de Thomas Ramos, se débarrasse de son premier défenseur, Colby en l'occurrence. Gagner les premiers duels, marquer les adversaires avec Winnie Antonio face à Etsebet. On en a vibré jusqu'au Vieux-Port sur cette première rencontre. Danti à son tour. Voilà, bien, un grand coup d'épaule. On vient le défier physiquement. Et le voilà, le poison face de Klerk. Il sera à la limite ce soir. Ils veulent exercer un maximum de pression, comme l'avaient très bien fait les Australiens au Stade de France. Ouais, alors ce qu'on peut noter sur cette entame de match, c'est qu'on va venir les défier de manière frontale. On n'a pas essayé de les contourner, de prendre les intervalles. Antonio, Jonathan Danti dans un second temps. Et on va provoquer la faute. La première tentative pour Thomas Ramos qui excelle dans ce secteur. Là, avec Christophe. Ouais. Il était juste, hein, ce raffut un petit peu avec le coude qui touche le visage de Cheslin Colby. On revoit la position de hors-jeu de Faf de Klerk qui va offrir une première pénalité à l'équipe de France. Thomas Ramos, 7 sur 9 au Stade de France face à l'Australie, auteur de 20 points, d'une très bonne performance, qui fête ce soir sa troisième titularisation sous l'ère Fabien Galthié et qui a donc cette responsabilité du but, concrétiser les efforts de ses partenaires. En tout cas, on n'a pas été surpris par ce début de match. Dimitri, on avait annoncé ce serait du frontal, du brutal. On a été servi. C'est parti pour Thomas Ramos et c'est bien parti, ça passe entre les poteaux, 2 minutes de jeu. L'équipe de France ouvre le score à Marseille, 3-0. Voilà, l'importance aussi de gagner le toss, prendre le coup d'envoi et de suite aller jouer chez l'adversaire. Première possession de balle avec une touche pas trouvée par Faf de Klerk et on est allé les défier physiquement jusqu'à provoquer la faute. Allez, il faut l'assurer celui-ci maintenant. Et c'est Grégory qui a commis un en avant. Ballon récupéré par les Sud-Africains et Oxenshie qui est passé au sol. Faf de Klerk maintenant qui fait jouer Dutoit dans le dos. Il a le soutien de D'Aliende et Willy Leroux. Ouais, il a arraché, il a gagné ce ballon. Ballon récupéré par les Bleus. Flamand le protège avec Cameron Woki. Le petit train pour protéger le jeu au pied à venir d'Antoine Dupont. Sortir des 22 mètres le plus proprement possible. Il est long, comme souvent Antoine Dupont qui a beaucoup progressé dans ce secteur et qui va donner de l'air aux Bleus après ce renvoi non capté par Grégory Aldrit. Voilà, après beaucoup d'agressivité, vous voyez les défenseurs français sont montés fort sur les extérieurs pour obliger les Sud-Africains à venir attaquer la ligne et ensuite ce ballon a été arraché et Antoine Dupont a trouvé la touche, contrairement à Faf de Klerk tout à l'heure qui l'avait laissé dans l'air de jeu.
on a décidé de sortir le ballon, de casser un peu le rythme. Première touche, lancée Mbonambi pour les Sud-Africains. Deux alignements très efficaces. Ils ont fait 100% en touche la semaine dernière et c'est Etsebet qui allait cueillir ce ballon. Colby face à Julien Marchand. C'était Arenze, pardon. Faf de Klerk et un ballon. Colby par Mostert. Deuxième ballon échappé ou arraché au contact des Sud-Africains. Ça montre qu'on est présent dans le combat, le défi physique. Et on continue de se donner rendez-vous même avec Julien Marchand qui se branche un petit peu avec Franco Mostert, alors qu'Etsebet était allé cueillir ce ballon pour le proposer à Arenze, celui qui avait inscrit l'essai à Dublin. Insuffisant, défaite 19-16, mais parce qu'il y avait eu faillite au pied, on le disait tout au début de ce match, avec notamment un Cheslin Colby à 30% de réussite seulement lorsqu'il a fallu suppléer le buteur attitré de l'Afrique du Sud. Ça pourrait compter aussi ce soir. Là, c'est le rendez-vous des costauds, Cécile. En tout cas, les deux fautes de main hein, dans ces quatre premières minutes ne se justifient pas du tout par quelconque humidité. Il fait très doux et sec ce soir et pas de vent. On a connu pire dans la région. Oui, et cette statistique sur le poids des packs n'était pas tout à fait juste puisque l'équipe de France a un avantage ce soir très léger, mais le pack français est plus lourd que celui des Sud-Africains. La libération dans le fermé assurée par Dupont. Allez, Ramos, contre un décalage pour Damien Penaud dans le couloir. Damien Penaud le tape à suivre. Et est-ce qu'il a mordu la ligne? Non. Le roux, c'est De Toit qui a permis à De Klerk de lancer de ses bêtes. Les Français sont au rendez-vous en défense pour l'instant. Attention, il faut se sortir de la zone, c'est fait. Et ils vont la jouer à l'extérieur. Mandé va utiliser le jeu au pied pour Colby. Moïse Fana qui était lobé et qui récupère dans un deuxième temps. Il peut sortir les bras pour Ntamack. L'accélération de Romain Ntamack dans le couloir. Ntamack qui feinte la passe. Il a mis pied en touche. Il est en touche. Mais on a la réussite. Il en fallait de peu hein, pour que Cheslin Colby se saisisse de ce ballon sur la passe au pied de Dea Eliende. Alors on voit l'origine de l'action, il est bien joué ce coup de pied, malheureusement il ne le prend pas le roux, font vivre le ballon et troisième ballon quasiment perdu, hein. Il perd les contacts, les Sud-Africains, ils le perdent. Ouais, c'est joué en début d'alignement rapidement avec Smith qui avait dévié ce ballon et c'est un dégagement sud-africain. Allez, magnifique. Une touche dans le camp de l'équipe de France qui va donner de l'air à cette équipe. C'est Damien Willemc qui est auteur de ce gros coup de pied alors que l'on revoit ici Romain Ntamack. Il n'y a pas d'autre solution, ça avait les défenseurs sud-africains qui revenaient à l'intérieur. Nouveau rendez-vous en touche, cette fois-ci le lancer est bleu pour Julien Marchand qui a inscrit son premier essai international la semaine dernière juste avant la mi-temps et c'est précieux face aux Australiens. Il est au lancer alors qu'une Ola est déclenchée ici au Vélodrome. Magnifique déviation de Charles Olivier. Ntamack, long jeu au pied. Colby à la relance. Attention, crochet de Colby là dans le trafic, repris par Cameron Wauki. De Klerk. Pour le roux, le petit jeu au pied dans le dos de Damien Penaud, il est parfait. Et derrière, il y a une faute de main de Krill. Alors, on voit encore une fois que la défense française est montée fort sur les extérieurs. Les Sud-Africains, bien sûr, l'avaient analysé puisqu'ils utilisent beaucoup ce jeu au pied transversal. Là, on voit la relance de Colby. Vous voyez, ils bloquent les extérieurs, les Français, mais forcément, il y a une zone qui va être libérée. Il n'a pas eu le temps de le taper. Bon retour de Damien Penaud. Et c'est complètement assumé, hein, cette position défensive. Bien sûr. Il faut le préciser parce que parfois, on peut se dire, ils sont pris dans le dos. C'est le système défensif qui veut ça. Il y a une prise de risque. Et pour disputer cette mêlée, on va attendre le retour du pilier gauche français Cyril Bailly qui se plaint de l'adducteur. Aïe. Mais j'espère que ce n'est pas ça parce qu'il s'est fait opérer il y a très peu de temps des adducteurs. Cyril Bailly qui en tout cas se fait strapper. Et vous le voyez, l'ambiance est magnifique ce soir au stade Vélodrome. Là où d'autres bleus il y a 20 ans avaient battu magnifiquement l'Afrique du Sud, c'est à ce jour la plus large victoire du rugby français face aux Sud-Africains. C'était une nette victoire 30-10. Un certain Vincent Clerc débutait sa carrière internationale ce soir-là par exemple. Tout à fait. Et Raphaël Ibanez et Fabien Galthié aussi. Exactement. Sur le terrain.
Et comme souvent, l'ambiance est magnifique ici à Marseille. 4 ans que le public marseillais attendait de revoir l'équipe de France qui était venue se produire ici dans le tournoi face à l'Italie pour un succès comme souvent. Hein, l'équipe de France qui remporte plus de 80% de ses matchs ici au Stade Vélodrome. Cyril Bailly a repris sa place. On va pouvoir disputer cette deuxième mêlée. Donc la première avait été stable. C'est à nouveau une introduction à venir pour Antoine Dupont et l'équipe de France sous le regard de William Servat. Lui, c'est le seul rescapé de la dernière victoire française. C'était en 2009 à Toulouse, 13 ans. Et depuis, 7 victoires sud-africaines de rang. Elle est bonne cette mêlée, elle tient. Dupont libère pour Ntamack. Dégagement droit devant dans les bras de Arends. Et lui aussi, hein, comme Colby, électrique, beaucoup de vitesse et avantage en cours. Position au sol de Gelon, illicite. Les Sud-Africains vont jouer le coup avec une bonne couverture d'Antoine Dupont. Vigilant, on va revenir à la pénalité. Ouais, on voit quand même qu'il ne faut pas leur rendre trop de ballons au pied parce que ce soit Arends, l'ailier gauche ou Chassin Colby, ils ont décidé de remonter les ballons. Ils sont venus attaquer le milieu du terrain entre les avants. Ce qui a provoqué la faute d'Anthony Gelon qui ne fait pas de sortie de la zone plaqueur-plaqué. Et ils vont prendre la touche. Les Sud-Africains vont essayer de se rapprocher de notre ligne d'en but. Avec Damien Willems, 5 fois titulaire lors du Rugby Championship, qui s'installe au poste d'ouvreur mais qui n'est pas un buteur fiable. Et ça pose évidemment des difficultés à l'encadrement des Springboks dans la perspective de la Coupe du Monde. Lancé Bonambi dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ouais, bien. Superbe contre. Dupont maintenant pour Aldrit. Aldrit, il faut gagner ces duels là dans les points chauds. Dans les 22 mètres bleus. Alors on est bien concentré là sur les phases de ruck. Vous voyez bien bas, le dos bien droit. Antoine Dupont est à l'abri, il peut allonger son pied droit, cette fois-ci il ne va pas trouver la touche. Sauvé par Arends, mais derrière la passe n'est pas très bonne. Finalement récupéré par Smith. Smith tout de suite, Flamand est là, Olivon aussi pour stopper le troisième ligne centre sud-africain, Faf de Klerk avec Bonambi, la passe en pivot. Leroux avec Willems. De Klerk à nouveau. Leroux, percussion d'Enche. Ça revient côté fermé encore une fois, mais les passes sont approximatives, même si Hatzebeth la reprend la ligne d'avantage. De Klerk éjecte bien ce ballon. Longue possession sud-africaine pour l'instant. Le rideau bleu est en place, ça tient en défense, mais des espaces se libèrent. Il faut se baisser, attention, sur cette charge de Dutoit. De Klerk. Très longue passe pour Colby qui contourne. Il fait une Damien Penaud là. Ouais, ça marche, ça met les mains dessus. Ouh là là, alors là il y a un très mauvais geste de Dutoit sur Jonathan Danti. Coup de tête. Coup de tête de Dutoit sur le visage de Jonathan Danti. Pour l'instant le corps arbitral ne bronche pas. Je crois que l'arbitre de touche va le signaler à monsieur Barnes. Vous le voyez, il est au sol, Jonathan Danti, sur un déblayage au casque comme on dit. C'est signalé et William Servat insiste un petit peu. Oui, ben ça pourrait faire carton et peut-être même carton rouge. Voilà. Bon, déjà on a récupéré la pénalité et monsieur Barnes va pouvoir s'entretenir avec son juge de touche parce que le geste était moche sur Jonathan Danti. On écoute. Yeah, number 12 is on the floor. Just make sure he's all right. Regardez, c'est ici. Vous allez voir le 7 sud-africain là. Ouais, ça c'est rouge. C'est carton rouge. Pour Peter Steph Dutoit, ouais. Le meilleur joueur du monde en 2019. Coupable d'un très vilain geste sur Jonathan Danti. Ouais, ça me paraît assez clair hein, sur le dernier ralenti. Jonathan Danti qui relève la tête et au même moment il va arriver. Coup de casque, comme on dit dans le jargon, mais c'est absolument interdit. Et sur le banc sud-africain, on a l'air d'avoir compris hein, tout de suite, vu les mines. Ouais, c'est même presque un double, hein. J'ai l'impression que Yann aussi le touche.
head on head. So that's not the best angle, please. Yeah, the original angle is the best angle. Yeah, so let's show that angle. Again. Ouais, c'est un double plaquage. Écoutons le dialogue entre Brian McNice, l'arbitre vidéo, et Monsieur Barnes. Okay, so let's just talk about that one. We've got direct head contact with a player who's vulnerable on the floor. Yes. He's not looking to move that player. He is leading with the head straight into the head of the player on the floor. Yes. Do we agree with those facts? There is no mitigation. Contact direct à la tête. Do we agree? Et ce sera un rouge pour Dutoit. Les Springboks réduits à 14 de la 11e minute dans ce match et il n'y a rien à dire. Alors absolument rien à dire là, il a manqué totalement de maîtrise sur ce geste. Mais ça prouve aussi qu'ils sont perturbés, qu'ils sont pris à leur propre jeu, au jeu du défi physique, au jeu de l'agressivité. Et là il a dépassé la ligne du Toit. C'est évidemment leur caractéristique, on le dit, on le répète tout le temps, ils sont toujours extrêmement vigoureux à l'impact, ce sont des joueurs qui ont ça dans leur ADN, mais là, il faut aussi pouvoir se contenir. Et en attendant, Cécile, oui. Changement, protocole, alors, commotion. Oui, protocole, commotion, donc changement pour le moment provisoire, avec l'entrée de Sekou Makalou. Et je demande juste à William Servette comment il se réorganise. Bah, Makalou va prendre l'aile et Moefana, je pense, va glisser au centre. Oui, je pense aussi. Oh, mais c'est pas trouvé. En attendant, on revient au jeu avec le dégagement de Colby Ntamack, qui cette fois-ci va assurer cette touche. Et on a vu la détresse, évidemment, de Peter Steph Dutoit, le flanqueur de cette équipe sud-africaine qui laisse ses partenaires à 14 contre 15. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On protège au maximum les joueurs et c'est tant mieux. Oui, Cécile ? C'est confirmé pour le repositionnement de Moefana au centre. Et donc, Sekou Makalou, le couteau suisse, rentre à l'aile. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un Makalou sur le banc capable d'occuper plusieurs postes en troisième ligne ou en position déliée. Attention à ce ballon porté, l'une des forces de cette équipe sud-africaine. Ça ferraille côté bleu de Clerc qui libère avec Dalyende, hein, qui est le joueur qui crée évidemment les points de fixation, qui fait avancer cette équipe sud-africaine. Le relais maintenant d'Oxenche. L'équipe de France disciplinée depuis le début de ce match et qui gagne ce duel. Et Makalou, il joue au pied même pour son premier ballon. Il a suivi cette chandelle dans les airs. Un ballon qui revient dans les bras d'Antoine Dupont qui à son tour tape à 50-22. Suivre. 50-22, il était dans ses 50. Alors, est-ce qu'il était dans les... Non, il n'était pas dans les 22. Il est sorti juste devant la ligne des 22 mètres et a signalé encore un ballon perdu au contact d'Etsebet. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième, parce qu'il y a eu Mostert aussi qui en avait perdu un. Oui, parce que l'équipe de France est en place en défense. L'équipe de France est disciplinée, comme depuis de longs mois. 10 matchs sans carton jaune pour ces Bleus. Lancé Mbonambi sur la ligne de 22 mètres sud-africaine. Prise de balle assurée par Mostert. Ça, on risque d'en voir pas mal hein, pendant cette rencontre. Ballon porté, en plus ils sont un de moins. Utilisation ensuite du jeu au pied de Favre de Clercq. Ça avance bien, là on défend pas très bien. Là, côté français, il va falloir s'y mettre un peu plus. Voilà. Ah, il est rentré sur le côté. C'est flamand. Pris par Monsieur Barnes, avantage en cours avec Willem C qui allonge sa place. Pour Krill qui a décalé Arense. Repris par Gaël Ficou et Damien Penaud. Il est tout seul, il est tout seul. On peut mettre les mains. Ouais, grosse pression, attention, on est encore une fois à la limite et l'avantage ne profite pas aux Sud-Africains. Il y a beaucoup de tension. Oui, ils sont super tendus. Quelques secondes plus tôt, Etsebet s'est vraiment plein auprès de l'arbitre. Et juste avant de faire son en avant, ils sont très tendus, les Sud-Africains. Ouais, enfin, ils ne vont pas se plaindre qu'il y a un surplus d'agressivité quand même. C'est leur leitmotiv à chaque match. Sauf qu'ils sont pris à leur propre jeu pour l'instant. Ça répond présent. Jonathan Danty a l'air d'avoir récupéré. Alors lui, est-ce qu'il a répondu présent pour le protocole commotion? Est-ce qu'il est autorisé à revenir sur le terrain? Cécile, vous êtes au plus près de l'action. Ça a l'air bon. Il est applaudi par le public
du Vélodrome. On espère qu'il va pouvoir reprendre sa place, Jonathan Danty. En attendant, les Sud-Africains ont trouvé une touche à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. On surveille tout ça pour l'instant. Il est en discussion avec Thibaut Giroud. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez avec nous tout au long de cette série d'automne. La question du soir, de combien de points la France s'est-elle imposée la semaine dernière face à l'Australie? Réponse 1, 1 point, réponse 2, 10 points. 15 000 euros à gagner. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7-3003 ou bien vous téléphonez au 34-35. Et une conquête mal assurée par les Sud-Africains. Ballon récupéré par Marchand. Dupont, du gauche cette fois-ci, l'occupation encore une fois du demi-mêlée et capitaine de cette équipe de France. Colby à la relance, stoppé net par Olivon, partenaire de club au RCT. Ils sont sous pression les Sud-Africains, pas beaucoup d'espace pour eux. Malherbe est passé au sol. Et ballon récupéré par l'équipe de France, Aldrit. Et là, bye. Et encore. Antonio, s'il peut sortir les bras, c'est fait pour Woki qui va accélérer avec sa longue foulée. Dupont le fermer peut-être bon encore à jouer avec Ramos intercalé. Oh, malheureusement qui commet un en avant. On va revenir à une position de hors-jeu des Sud-Africains. Ah, c'est dur dans la transition parce qu'on est très très agressif et ensuite il faut garder la lucidité, le sang-froid pour bien jouer ses coups. Avec Antonio qui reste au sol sur cette action. Et puis alors, pour Jonathan Danty, c'est une sortie définitive. Aïe. Il a répondu favorablement au protocole commotion, mais il a une fracture du plancher orbital. Et il ne se sent pas très très bien. Donc il préfère de lui-même être honnête avec le corps médical et laisser Sekou Makalou terminer le match. Ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour l'équipe de France. Jonathan Danty qui décidément a vécu une semaine agitée, papa depuis le milieu de la semaine, on était un peu suspendu à cela la semaine dernière contre l'Australie et ce soir touché dès la 11e minute dans ce match face aux Sud-Africains. Il y a des petits bobos, on l'a dit, Mouni Antonio semble reprendre sa place, Cécile. Oui, oui. Falatea se tient prêt à accélérer un petit peu son échauffement, mais pour l'instant le Rochelet reste sur la pelouse. Pas trop d'inquiétude non plus pour Antoine Dupont qui est allé se faire soigner le doigt en bord de terrain. En attendant, on retrouve Thomas Ramos quasiment dans la même position qu'au tout début du match pour concrétiser la domination de l'équipe de France. Ah, ils sont présents sur ce premier quart d'heure les Français. On n'a pas beaucoup été dans nos 22 là-bas, on est vraiment un dominateur. C'est reparti pour Thomas Ramos. Et de 6 points à 0. 6 points de Thomas Ramos qui ravissent les supporters ici présents au Vélodrome. Et il a son fan club, Thomas Ramos. 6-0, l'équipe de France qui, on vous le rappelle, évolue à 15 contre 14 depuis le carton rouge de Dutoit, le flanqueur Springboks. Envoi effectué par Willemse. Allez, Grégory Aldrit, cette fois-ci, bien capté ce ballon, c'est fait. Ouais, il s'est tourné dans son camp pour l'assurer. Ce ballon qui va être libéré, Antoine Dupont qui va se mettre sur son pied droit ou gauche d'ailleurs, parce qu'il tape des deux. Beaucoup de calme, de sérénité qui se dégage des rangs français pour assurer ses sorties de camp, comme on dit. Hein. C'est très important au niveau international de trouver cette longueur dans le jeu au pied. Oui, bien sûr, on se sort de cette zone un peu critique de pression dans les 22 mètres. Et les Français savent aussi qu'il y a de redoutables relanceurs côté sud-africain, avec Colby notamment sur l'aile droite. Donc on sort le ballon de l'aire de jeu, ça fait récupérer aussi, parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et la première Marseillaise à Marseille. Et un nouveau contre de Charles Olivon en touche avec le relais maintenant d'Anthony Jelon. Quelle ambiance. Ça a été joué, on peut monter. Dans ce jeu
au pied, avantage France au sol depuis le début de ce match, parce que sur ce très bon coup de pied de Romain Tamac, eh bien on va récupérer une touche dans le camp sud-africain, alors que pour l'instant Charles Olivon règne dans les airs. Ah oui, on est très bien organisé défensivement. Charles Olivon avait anticipé. Deuxième ballon récupéré sur l'ancien adverse. Julien Marchand maintenant au lancer. Alignement complet, c'est Woki qui est sollicité. Ntamak, le lancement de jeu avec Penaud qui est venu proposer. L'accélération de Damien Penaud, il a le soutien allez, de Ramos. De contre, il y a Makalou qui va très vite sur les extérieurs, repris aux jambes par Colby. Attention les pieds en touche, c'est bon, il reste dans l'air de jeu. Marchand maintenant, l'équipe de France qui entre dans les 22 mètres des Springboks avec précision pour le moment. Le relais dans l'axe de Grégory Aldrit et ça avance. Bien ça. Bien aidé par Gelon, quelle séquence des Français avec Baye au soutien. Dupont, il y a du monde sur les extérieurs. Antonio pour créer un point de fixation à nouveau. On s'approche de la ligne, 5 mètres maintenant à faire. Aldrit auprès. Soutien toujours aussi propre. Voilà, le ballon sort vite. Dupont pour Gaël Ficou, position de hors-jeu. Avantage en cours. Dupont qui retourne avec Baye. Essai de Cyril Baye sous les poteaux sud-africains. L'équipe de France réalise une entame parfaite. 20 minutes de rêve. 11-0 au compteur pour le troisième essai international de monsieur Cyril Baye. Que c'est bien joué de la part des Français et de Cyril Baye qui ne va pas venir défier physiquement le défenseur sud-africain. Il va attaquer l'intervalle. Alors on le voit ici, alors grosse erreur quand même de Colisi qui est monté en pointe. Vous voyez ici le numéro 6 qui va venir s'effacer, ouvrir l'intervalle. Et Cyril Baye qui vient marquer le premier essai de cette rencontre. Et c'est logique, hein, les Français dominent. Il avait commencé cette série d'automne avec 20 minutes seulement au compteur après une opération, vous le disiez tout à l'heure, aux adducteurs. 20 minutes avec son club du Stade Toulousain face à Bayonne. Il avait tenu près d'une heure de jeu la semaine dernière face à l'Australie et c'est lui qui va chercher le premier essai de ce match. Et en parlant de Cyril Baye, j'ai l'impression qu'il continue d'être gêné. Hein. Bah, s'il est gêné comme ça, hein, qu'il continue. Hein. Et on a vu les Sud-Africains sous les poteaux se réunir, se dire sans doute un petit peu leur vérité parce qu'ils sont pris. Tout ça est parti d'une conquête perdue hein, sur lancé en touche. Thomas Ramos qui transforme 13-3. Et quel beau lancement de jeu là en première main d'abord. Ouais, Dayandé qui est venu s'exposer et rater le plaquage. Et ensuite Makalou qui va être repris mais qui va faire l'effort de rester dans l'air de jeu. Et là c'est la fin de l'action avec l'essai de Baye. Magnifique, les Français qui changent de rythme, changent d'agressivité lorsqu'ils rentrent dans les 22 mètres sud-africains. C'est du haut niveau pour l'instant. Ouais, et les Français qui assument leur nouveau statut d'équipe à battre, c'est l'équipe de France qui imprime sa marque pour l'instant sur ce match. Le duel entre Etsebet et Greg Aldrit. Dupont pour Moefana sous la pression de Dehaliende pour Ficou. Les Français vont s'en sortir avec ce dégagement parfait de Gaël Ficou qui va trouver une excellente touche. Lui, le grand fan de l'OM, l'homme de la Seyne-sur-Mer juste à côté de Marseille, qui adore ce stade et qui va trouver une très bonne touche à proximité de la ligne médiane. Alors voilà la grosse agressivité d'Etsebet. Le ballon était sorti un peu prématurément. Il était sous pression, Antoine Dupont. Et on a la réussite après deux passes. Gaël Ficou qui vont trouver sa touche en ligne médiane. Ils sont à la recherche de leur second souffle. On a l'impression les Springboks, ils ont pris du temps pour aller jouer cette touche. Ballon capté par Etsebet. Ballon porté maintenant par le paquet d'avant. Mais ça avance. On s'y remet, mais ça avance. Ils sont bien organisés. Il a le bras tendu, Wayne Barthes. Il y a une pénalité, ils vont en jouer l'avantage. Ouais, Gelon à la faute. C'est la troisième pénalité contre l'équipe de France dans ce match. Les supportrices sud-africaines gardent le sourire pour le moment. Et Anthony Gelon
qui est entré sur le côté de ce maul. Et c'est donné par Monsieur Barnes. Alors, que vont faire les Sud-Africains? À cette distance en point, c'est quand même difficile pour n'importe quel immense buteur. Je pense que Colby va la prendre. Oui, il y va. Il est ambitieux. C'est pas la plus simple à passer pour se mettre en confiance. On vous rappelle que Cheslin Colby n'est absolument pas un buteur, mais on lui a demandé de prendre cette responsabilité ce soir. Il y a pénurie de buteurs, alors que le rugby sud-africain a évidemment connu les Percy Montgomery, les Nasbota, les Pinard, les Stransky, les Van der Westhuizen. C'est comme une anomalie incroyable qu'il n'ait pas de buteur de classe mondiale aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est ce qui manque à cette équipe sud-africaine. Alors on va voir, hein, parce que les buteurs, c'est assez aléatoire. Il peut y avoir des jours où la grâce touche le buteur. On va voir sur cette première pénalité de Cheslin Colby. Finalement, il n'y a pas trop de pression parce qu'elle a 45 mètres en coin. Donc si la loupe, on lui en voudra pas ou peu. Ce qui est difficile sur les premiers coups de pied, c'est justement dans les 30 mètres. Et vous l'avez beaucoup observé à l'échauffement, il était en difficulté. Oui, il y avait pas mal de coups de pied ratés, on va dire, de Cheslin Colby. On va voir celle-ci, 54 mètres. Et il faut la puissance et la précision, tout cela combiné. C'est parti pour Cheslin Colby. C'est bien parti. Et voilà. Et ça passe. Bravo, monsieur Colby. Conseillé d'ailleurs par Maxime Petitjean au RCT, qui lui a donné aussi quelques conseils avisés cette semaine pour remplir ce rôle. Premier petit sourire sur le visage de Jacques Minemba, l'entraîneur de cette équipe, avec Rassi Erasmus, qui a pris un peu de hauteur, hein, qui est le directeur du rugby maintenant de ces Springboks, sélectionneur des champions du monde sud-africains. L'Afrique du Sud débloque son compteur. Oui, tout à fait, sur un ballon porté. C'est d'ailleurs un des secteurs de jeu où on est un peu friable, hein, sur la défense des ballons portés. Et la bonne récupération de Makalou. Et c'est reparti avec Ramos. Ouais, les Bleus qui ne laissent pas respirer l'Afrique du Sud. La pression est remise tout de suite sur le renvoi. Dupont pour Flamand avec Winnie Antonio qui est arrivé bien lancé à hauteur. Attention, ouais, Etsebet c'est perdu. A gratté ce ballon. Il a récupéré. Fave de Clercq. On est bien. On peut monter. Willem s'est repris par Charles Olivon. De Clercq. Yes. Les soigneurs français sont sur la pelouse. Oui, Antonio, c'était pour Winnie Antonio. Il qui a sollicité Colby dans le couloir sur un appui. Il a failli échapper à la vigilance, notamment de Sekou Makalou, alors qu'un joueur sud-africain reste au sol aussi. Il me semble que c'est Oxenche. Que c'est Mbonambi. Oui. En attendant, les Sud-Africains gagnent des mètres précieux avec Faf de Clercq et de Sebet. Les hommes forts. Un jeu, une passe de défi physique, ça y est. Ça joue un peu sur les extérieurs, mais les Français sont bien en place. Le rideau bleu monte avec beaucoup d'agressivité. Voilà, ils n'ont plus de solution. Ils vont utiliser très certainement le jeu au pied maintenant. Huitième phase de jeu. Et la défense française qui tient bon. Ballon lent en plus, hein, là c'est difficile pour les Sud-Africains. De Clercq pour Malherbe. Roulé boulé du pilier droit. Un coup d'œil de Fave de Clercq pour un jeu au pied à venir. Attention. Il avait été averti. Ah, il a pensé qu'il pouvait monter, que le ballon était à sortir du ruck, Grégory Aldrit. Et Colby qui ne se rapproche pas du ballon. Fave de Clercq va taper en touche. Et ça va pas mieux pour Mbonambi, j'ai l'impression, Cécile. Hein. Il va devoir aller lancer cette touche, mais il a l'air touché, le talonneur. Il a pris, il se plaint d'un plaquage haut, en fait. Et Winnie Antonio va quitter la pelouse sur protocole commotion. Sipili Falatea va le remplacer temporairement ou non. Et côté sud-africain, du coup, on fait rentrer Malcolm Marx. Oui, on ne gagne pas forcément au change parce que c'est un sacré client. Malcolm Marx, 57e sélection avec les Springboks ce soir. Et Falatea qui avait fait une très bonne entrée, hein, la semaine dernière face à l'Australie.
qui remplace donc Winnie Antonio. Il reste 11 minutes à jouer dans ce premier acte et touche à venir, premier lancé pour Marx. Alors est-ce qu'on va disputer ce ballon dans les airs ou est-ce qu'on va se concentrer sur le sol? Non, on va rester en bas et là il faut être solide. Ce ballon porté contenu pour l'instant par une bonne défense tricolore, mais il désaxe un peu à gauche. Ça avance, il va falloir s'y mettre un peu plus. Les trois quarts sud-africains, ils y sont quasiment tous dans ce mall. Et l'essai. Colissi, il ne l'avait même pas vu, monsieur Barnes, il avait le bras tendu. Et le capitaine Colissi va inscrire un essai sous les poteaux qui relance complètement l'Afrique du Sud dans cette première mi-temps. Après un travail de sape du paquet d'avant, même de toute l'équipe, parce qu'il y avait des trois quarts qui étaient venus en renfort. Ouais, en effet, hein, ils maîtrisent vraiment très très bien ces ballons portés, les Sud-Africains. Encore une épreuve de force et on le voit, ce Moll qui part un peu en crabe mais qui avance quand même côté Sud-Africain et il va s'en extirper. Il a même pas... C'est Romain Tamak, je crois, qu'il a même pas vu passer. Monsieur Barnes non plus. Personne ne l'a vu. Siya Kolisi, le capitaine de cette équipe sud-africaine qui va inscrire cet essai sous les poteaux de l'équipe de France, 13 à 8 en attendant la transformation de Cheslin Kolbi. Siya Kolisi qui est vraiment le symbole de cette nation arc-en-ciel, qui est une star dans son pays, premier capitaine noir des Springboks, enfant de Zwende, le township de Port Elizabeth. D'ailleurs, si vous voulez regarder un reportage concocté par Philippe Lafont et Christophe Vignel qu'on a diffusé la semaine dernière dans Stade 2, vous y verrez l'influence qu'il a dans son pays, dans sa province des Sharks aussi, avec Yannick Bru d'ailleurs qui est allé conseiller cette province sud-africaine. Culture Box est à retrouver sur la plateforme France.tv. En attendant, on suit la transformation de Kolbi et il y a encore du changement. Ouais, troisième protocole commotion dans les rangs français. Ouais, après Jonathan Danti, Winnie Antonio, c'est au tour de Thibaut Flamand de quitter la pelouse. Il est remplacé par Romain Taofifenois. Ouais, on s'y attendait. On vous le dit souvent, jouer les Sud-Africains, c'est du brutal. Troisième commotion pour un joueur français et pour quatrième avec Mbonambi depuis le début du match, deux équipes confondues. Oui. Parce que Mbonambi, c'est un protocole commotion également. Oui. Quatre protocoles en une demi-heure, c'est vous dire l'intensité sur ce match. D'ailleurs, il y a même la queue pour passer le protocole. On a vu ce plan furtif proposé par les équipes de Fred en avant. En avant. En avant. Oui, il l'a vu, monsieur Barnes, il l'a signé. Alors, j'ai pas toujours le son de monsieur Barnes, là, je sais pas où, Dimitri. Non, là, je l'ai pas eu, en l'occurrence. Voilà. Grosse erreur, de la part de Smith. Je crois que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, parce que Cyril Bailly demande à quitter la pelouse. Ouais. Alors, le problème, c'est que tous les médecins sont partis pour faire passer les protocoles côté français. Mais. C'est Reda Wardy qui va rentrer. C'est Reda Wardy, ouais, bien sûr, mais Cyril Bailly. Est sorti de lui-même, il a trop mal à l'adducteur. Ouais, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Alors la première sélection de Reda Wardy, c'est formidable pour lui, mais évidemment on est inquiet pour Cyril Bailly, opéré à la fin de la saison dernière des adducteurs et qui sort de ce match à la 30e minute après avoir inscrit un essai, et on rentre directement au vestiaire. Que c'est difficile. Ouais, difficile aussi pour une première, Reda Wardy qui rentre sur une mêlée fermée. Possession pour Antoine Dupont. C'est la première mêlée depuis le carton rouge, non? Oui, c'est bien possible. Ouais. Et les Sud-Africains qui restent à 7 en mêlée, ils ont libéré le poste de troisième ligne centre pour garder toute la ligne de trois quarts. Et les Bleus qui vont tenter de faire l'effort sur une double flexion. Pour l'instant, ça ne bouge pas côté sud-africain. Aldrit part derrière cette mêlée, résiste à un premier plaquage. Dupont maintenant pour Gaël Ficou. Ça tape fort. Hein, ouais, ça tape fort là. Dupont, même sens avec Julien Marchand face à la deuxième ligne rugueuse de cette équipe sud-africaine. Le travail dans les petits espaces d'Antoine Dupont. Le relais maintenant de Julien Marchand, omniprésent dans le jeu de l'équipe de France. Premier ballon de Wardy, Taofifenois en avant. Oui, il y a forcément un peu de désorganisation. Ce sont des joueurs qui sortent du banc. Il faut pouvoir se mettre dans le rythme de ce match. Oui, et puis il faut sentir aussi le moment où il faut continuer à les défier
et l'écarter ses ballons ou alors utiliser le drop, parce qu'on a vu qu'on était quasiment face au poteau. Et d'ailleurs Thomas Ramos et Romain Thomas qui étaient positionnés dans l'axe, il a demandé ce ballon à Antoine Dupont, parce qu'on voit que les collisions là sont en train d'être à l'avantage des Sud-Africains, même si Antoine Dupont avait trouvé l'intervalle ici, passé la ligne d'avantage. Six minutes encore dans cette première période et ce bras de fer très intense entre Français et Sud-Africains mêlé à l'avantage de Faf de Klerk. C'est Derriande qui s'est positionné au poste de troisième ligne, on le voit ici, poussé à gauche. Alors, il n'a pas été talonné ce ballon. Ouais, mais regardez la mêlée sud-africaine. On est sur un avantage qui avait fait l'effort. Attention, rebond. Alors, on va revenir à la pénalité. Sur un effort collectif des Sud-Africains en mêlée. Encore 5 minutes. Thibaut Flamand qui patiente toujours pour passer le protocole commotion. Il y a embouteillage. L'occasion de vous dire que vous jouez avec nous ce soir pour tenter de gagner 15 000 euros. De combien de points la France s'est-elle imposée la semaine dernière face à l'Australie? 1 point ou 10 points? Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7-3-3 ou bien vous téléphonez au 34-35. Pas de ballon. Et c'est quand même assez inédit. J'ai jamais vu ça, qu'on fasse la queue pour aller passer le protocole commotion dans un match. Pas le souvenir. Face à l'Afrique du Sud, forcément, on est confronté à un gros combat, un gros défi physique, beaucoup d'agressivité. Alors, puis, pour Thibaut Flamand, je peux déjà vous dire que ce sera définitif. Ah oui. Sans même avoir passé le test. Ça fait quand même beaucoup, hein. Danti. C'est-à-dire que là, oui, si Atonio ne revient pas, ça fait déjà une mi-temps à 4 changements contre 1, on va dire. Ouais, exactement. Lancé Marx sur Mostert. Oh, attention, il a été pris en air, il va laisser jouer Monsieur Barnes. De Klerk qui temporise un petit peu, laisse ses avants se remettre en cellule avec la percussion de Marx. Ils sont quand même bien organisés, hein, sur les phases de ruck. Au niveau des soutiens, Faf de Klerk maintenant le jeu au pied. Allez, c'est Koumakalou sollicité, ouais, et oh, pris en l'air involontairement certes, mais ça reste une charge sur un joueur en l'air, c'est strictement interdit, pénalité. C'est joué vite. Antoine Dupont va trouver une touche, elle sera peut-être rapidement jouée, c'est fait par Willem C pour l'Euro. Les Français sont bien montés. Ouais. Il faut revenir là dans le couloir, c'est Koumakalou. Ramos. Ouais, le bout va plus de pied, le roux va être à la réception, ça relance. Attention, parce que au milieu du terrain, il y a des espaces qui commencent à s'ouvrir. Ouais, bien, bon retour, bon plaquage de Wardy. Exactement, De Klerk maintenant, la bonne passe de Enche. De Klerk à nouveau, petit coup d'œil. Willem C qui s'est ravisé, change de côté du terrain face à Taofi Fenoua, vigilant en défense. Le relais dans l'axe de Dealiende, là faut venir aider. Et Julien Marchand qui n'a pas pu aller gratter ce ballon. De Klerk, l'alternance. Avec une chandelle peut-être un peu profonde. Allez, Romain, il va falloir y monter. Bien, parfait. Bien. Et toujours cette énorme pression. Cette fois-ci, c'était Arense dans les airs. Winnie Antonio est là. Va-t-il pouvoir reprendre sa place? Rien n'est moins sûr, Cécile. Ça va jouer vite. Les Sud-Africains qui ont repris la main. De voler. Ouais. Petit contrôle en hommage au footballeur. Et le dégagement de Ramos dans une zone libre, c'est plutôt bien fait. Willy Leroux en couverture. Sous la pression de Makalou. Là, il faut être bon. C'est con, Makalou. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Il est bien monté. Et on récupère. Bien joué. Je peux vous dire qu'il s'est sacrifié, Gaël Ficou, face au buffle. Dealiende. Et derrière, c'est con, Makalou qui termine le travail en propulsant le centre en touche. Ça va être bon pour Antonio, mais on va aller au bout de son protocole pour qu'il puisse, on va dire, récupérer au maximum. Ce sera aux alentours de la 39e
7 secondes pour être tout à fait précise. Oui, on a revu ce double lame. Double lame, mais il est quand même ultra solide. Deliende, c'est pas une surprise. Non, mais nous on est ultra agressif et surtout on monte très très vite sur les coups de pied. Allez, bien négocier cette dernière minute 30 dans ce premier acte brutal entre les deux équipes. Marchand, fond de touche, ça c'est bien fait pour Gelon. Allez, travailler un ballon porté peut-être. Non, Dupont décide d'extraire pour Moefana. Dupont à nouveau même sens pour Gaël Ficou qui a repris ses esprits. Schuster a lâché pour Ramos, on est sous pression. Reculer un petit peu là sur ce lancement de jeu. Alors on a perdu du terrain, il va falloir le reprendre avec Wardy maintenant qui revient défier Dupont. On est bien redistribué sur la largeur là, Moefana. Madrid qui vient faire le ménage, ils sont à la faute. C'est pas le gratteur, c'est le plaqueur au sol qui est sanctionné. William Servette demande les 3 points, donc je pense qu'on va en rester là et que Winnie Atenos fera son retour en deuxième période. Ouais. Et si Thomas Ramos pouvait rester sur son efficacité du soir pour donner 6 points d'avance à la mi-temps aux Bleus, il faudra tout cela pour essayer de battre ces champions du monde, même réduits à 14 contre 15 depuis, on vous le rappelle, la 11e minute. Hein. Oui, et j'ai même l'impression que ça les a réveillés, les Sud-Africains, depuis le carton rouge de Dutoit. Même s'ils ont concédé un essai, il reste quand même très dangereux, très volontaire, très agressif, mais très relanceur aussi. Grâce notamment à Chaslin Colby, bien sûr, mais à Rensé également, l'autre ailier. Impeccable dans cette première mi-temps, le buteur de l'équipe de France qui permet aux Bleus d'avoir 6 points d'avance, 16 à 10 à la pause entre ces deux équipes. On avait annoncé un choc de titans, on l'a, Dimitri. Oui, on a bien répondu présent, notamment dans l'agressivité. Là, on les attendait, on savait qu'ils allaient nous proposer un gros combat. Maintenant, le carton rouge va leur faire défaut, je pense, physiquement en seconde période. Donc il ne faut pas paniquer, rester calme et surtout bien récupérer là pendant la pause. Oui, et soigner les blessures. Hein. Il va y avoir peut-être un petit moment de chaos aussi dans l'équipe de France à la mi-temps parce qu'il y a déjà 4 joueurs qui sont sortis sur des protocoles commotion. Il va falloir gérer aussi tout cela à la pause. Alors évidemment, vous restez avec nous parce que rien n'est fait dans ce match. 6 points d'avance seulement pour les Bleus. En attendant, on va retourner du côté de Paris, retrouver Myriam Sora qui va vous faire le petit point météo. Et on se retrouve pour revenir sur cette première mi-temps absolument dingue. A tout de suite. Le geste pro, le rugby avec Gédimat au cœur de l'ouvrage. Vibrez devant votre match avec Société Générale, partenaire majeur de la Coupe du Monde de rugby 2023. Retrouvez votre match avec GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. GMF, engagé pour le collectif. Tout de suite après France-Afrique du Sud, on se retrouve pour Quelle Époque ? Et encore un très beau programme ce soir avec notamment Fabrice Eboué, Anna Girardot, Nikita Bellucci, mais aussi le témoignage exceptionnel de Dany Le Prince. Condamné pour un quadruple meurtre et après 18 ans de prison, il se dit victime d'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire. Il brise le silence pour la toute première fois ce soir. Tout ça, c'est juste après la fin du match. Et pour m'accompagner, comme tous les samedis soirs, mes deux complices, Christophe de Chavannes et Philippe Cavrivière. À tout à l'heure. Allez les Bleus ! Je vous invite tous les dimanches à la campagne. C'est notre nouveau rendez-vous sur France 2. On aperçoit ce couple récemment formé entre Slimane et Bérangère essayer avec pas mal de succès ce triple twist. Et pour ce numéro d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit Nelson Montfort, Slimane et Bérangère Krief. Demain après-midi à 16h55 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. On ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe ? J'immortalise un geste pour la planète. Ah d'accord.
Bah, ton chocolat, il est issu d'une agriculture plus responsable. La météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Votre météo avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Madame, monsieur, bonsoir. Cette journée de dimanche sera la dernière journée de calme avant le retour d'un temps automnal et perturbé à partir de lundi. En attendant ce soir, c'est un temps calme qui va cette fois-ci nous concerner. Malgré ce ciel voilé dense qui va commencer à se former sur un quart sud-est du territoire ainsi que sur la Corse, les brouillards à nouveau qui vont se reformer, notamment dans les vallées du Nord et que l'on retrouvera demain matin en redescendant également vers le Val de Saône. Des nuages également qui vont se former à l'approche d'une goutte froide sur un petit quart sud-est du pays ainsi que sur la Corse. Et dans le courant de l'après-midi, on pourra avoir d'ailleurs quelques averses orageuses sur l'île de Beauté. Ce ciel voilé dense qui va gagner dans le courant de l'après-midi les régions centrales. Et très vite, les premiers nuages qui vont arriver dans le courant de l'après-midi par la pointe bretonne, prémisse de la perturbation qui nous concernera lundi. En attendant, voici les températures pour demain matin, contrastées, fraîcheur matinale. On attend même quelques gelées blanches dans le nord-est du pays. Et dans l'après-midi, là aussi, on va retrouver des valeurs contrastées, notamment entre le nord-est et le sud-ouest du territoire. On attend jusqu'à 23 degrés à Biarritz et 8 degrés au meilleur de la journée pour Strasbourg. À partir de lundi, la perturbation va balayer le pays et dans un même temps, on va avoir des remontées instables du côté des Cévennes. On attend de bons cumuls de pluie. Perturbation que l'on va retrouver mardi qui sera très active, accompagnée d'un fort coup de vent. Là aussi, on va surveiller notamment dans la nuit de mardi à mercredi ces pluies assez abondantes du côté de la Côte d'Azur. Mercredi, journée d'accalmie, avant quand même l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du territoire, qui sera assez active d'ailleurs pour la journée de jeudi et qui va balayer un bon nombre de nos régions. Concernant les températures, elles seront en légère baisse, notamment l'après-midi, mais on va rester au-dessus des normales de saison. Voilà, demain, nous serons le dimanche 13 novembre. Et tout de suite, place au sport. C'était la météo avec Aldi. Il peint un geste et c'est même pas flou. Oh, mais quel génie! Et il en a encore pour longtemps, le génie? Je ne sais pas, papa, je crée. Bah oui, c'est pas écrit, ça. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. C'était votre météo avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois? Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Je vous donne rendez-vous sur France 2 dans ma nouvelle émission Hier, Aujourd'hui, Demain. Était-ce vraiment mieux avant? Qu'en dira-t-on demain? C'est autour de différents thèmes et entouré d'invités que nous allons débattre en plateau et feuilleter ensemble le grand album des Français. Hier, aujourd'hui, demain, la nouvelle émission présentée par Laurent Ruquier. Mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Imagine assez mal une vie sans bâtiment. Mais on peut facilement imaginer une carrière dans le bâtiment. Le bâtiment recrute dans plus de 35 métiers. Le bâtiment, des métiers qui vous construisent. On n'imagine pas tout ce qu'il y a dans un morceau de comté. Ce sont tous ces gestes qui font son goût unique. Comté, comté. C'est bon pour tout le monde ? Je vous retrouve dans 5 minutes pour le stack-brief. Rejoignez la communauté des aviateurs. Ce qui compte, c'est d'où vous venez. Où vous avez appris à travailler dur, à aller plus vite, à sauter plus haut, à devenir meilleur. L'origine compte. Saumon de Norvège, élevé par le littoral norvégien.
L'agriculture, c'est pas facile. Météo, transport, main-d'œuvre. Si on a eu une bonne année, c'est grâce à notre expert comptable. Celui-là, il nous a sauvé les fesses. Les experts comptables, des conseils qui vous sauvent les fesses. Mmh. France Télévisions, diffuseur officiel de l'équipe de France de basket. La course à la qualification pour la Coupe du Monde continue. Après leur défaite surprise en Bosnie, les Bleus ont l'occasion de prendre leur revanche. France-Bosnie, lundi à 20h20 sur France 4 et sur la plateforme France.tv. Les étoiles du sport avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Boris, tu vois cette image de Mbappé à Bondy ? C'est par des interventions comme ça qu'on va donner envie à tous de faire du sport. Et toi, comment t'as découvert ton sport ? Moi j'ai eu la chance d'essayer le canoë-kayak par le biais d'une initiation avec l'école, mais j'ai conscience que c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que c'est super important pour moi de promouvoir le sport auprès des jeunes. Ça commence dès la cour de récré, quand on va courir, quand on fait un foot. C'est le fait de partager des moments tous ensemble, c'est ça qui est chouette. En fait, ce que t'es en train de me dire, c'est que le sport c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les pros. Évidemment, ouais. Et c'est le sport du dimanche, c'est le sport que tout le monde va pratiquer. C'est l'occasion de partager du temps ensemble, de découvrir des personnes. Et c'est vrai que quand on pratique du sport, il n'y a aucune différence. On ne se pose pas la question de savoir d'où viennent les gens. Et ça, c'est aussi super important. C'était les étoiles du sport avec MGEN. Excusez-moi, pardon. Je voulais vous dire merci pour avoir fait du Mistral cet endroit exceptionnel et merveilleux. Un, deux. Ce ne sera pas un au revoir, mais une déclaration d'amour. Mmh. Plus belle la vie. Soirée finale, vendredi dès 20h15 sur France 3. Le geste pro, le rugby, avec Gédimat au cœur de l'ouvrage. Vibrez devant votre match avec Société Générale, partenaire majeur de la Coupe du Monde de rugby 2023. Retrouvez votre match avec GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. GMF, engagé pour le collectif. Vous êtes de retour au stade Vélodrome où les joueurs du 15 de France et les Springboks sont toujours au vestiaire et la France mène 16 à 10 après une première période. Bon, c'était du brutal, il faut le reconnaître, Vincent Clerc. J'ai rarement vu autant de joueurs sortir au cours d'une première période comme celle-là. Ce que je vous propose, on va revenir d'abord sur les faits de jeu et notamment sur les deux essais. Et ensuite, on va disséquer un peu avec vous ce qui s'est passé. Deux essais avec la France qui a pris ce match par le bon bout, hein, dès le départ, en mettant une pression physique à ces Springboks. Ils les ont mis sur le reculoir, littéralement. Et ils ont trouvé la solution en les défiant à leur propre jeu. Oui, en répondant physiquement, c'est vrai, les Sud-Africains qui étaient là pour imposer leur physique, leur intensité, mais c'est l'équipe de France qui a bien répondu, donc on y reviendra, mais c'est vrai qu'ils y ont laissé des plumes les Français, mais on le voit ici, hein, c'est très bien joué. Après avoir défié physiquement, Cyril Baye fait un petit crochet qui élimine son adversaire qui était monté très fort pour aller marquer le premier essai français, mais c'est très intelligent. Hein. Un petit pas de côté, et c'est aussi l'appel de Julien Marchin qui déstabilise Colissi pour ouvrir l'intervalle à son coéquipier Cyril Baye. L'équipe de France mène 13 à 0, puis 13-3 pour les Springboks qui reviennent dans ce match. Et puis il y a cette touche à quelques mètres de la ligne de l'équipe de France et le pack sud-africain qui pourtant est réduit puisque un carton rouge a été donné en début de première période. Et bien ces Sud-Africains, malgré tout, en infériorité numérique, vont se faufiler avec son capitaine Colissi pour marquer l'essai qui fait revenir ces Sud-Africains dans le match. 13-10 à ce moment-là, et regardez ce magnifique travail d'Etsebet et du pack des Springboks. Le gros point fort de ces Sud-Africains dans cette première mi-temps, les ballons portés, où on a été en difficulté intelligemment pour jouer l'avantage de la pénalité. Colissi qui s'extrait du ballon porté pour aller marquer au pied des poteaux, donc c'est intelligent, mais ils sont revenus dans le match en souffrant, ces Sud-Africains, mais en imposant leur puissance, notamment sur leur ballon porté. Alors, on vous le disait, il y a un fait de jeu qui a fait, on l'espérait, fait basculer cette première période. C'était aux alentours de la 10e minute, ce fait de jeu sur Jonathan Danty, qui est pris dans le ruck et qui, vous le voyez, un jeu bien évidemment très brutal et illégal, qui va amener Monsieur Barnes à intervenir, Vincent. Qui résume assez bien le début de match des Sud-Africains qui ont mis beaucoup d'intensité mais très peu de maîtrise. On a vu d'abord beaucoup d'en avant sur des situations qui étaient plutôt positives,
et ce carton rouge par manque de maîtrise sur le déblayage. Voilà, les Sud-Africains sont réduits à 14 et puis ensuite c'est l'hécatombe littéralement. Au total, 4 joueurs vont sortir au cours de cette période, vous le voyez, Thibaut Flamand, Winnie Antonio et puis Cyril Baye, blessé visiblement aux adducteurs. C'est l'hécatombe. Fabien Galthié l'avait dit, hein, il va falloir garder de la maîtrise dans le chaos ce soir. Le chaos, je crois qu'on y est là. La maîtrise, on l'a aussi. On a la maîtrise dans le défi physique. On est là, on répond présent. Alors on y laisse des plumes. Ça va peut-être changer la stratégie du coaching qui habituellement est plutôt rodée. À la 60e minute, on fait rentrer du 109. Là, il y a beaucoup de blessés. Il va falloir peut-être gérer différemment. Mais on est au rendez-vous. On subit pas. Il va falloir peut-être trouver les solutions sur les ballons portés de ces Sud-Africains. Puis on a été pénalisé sur une dernière mêlée. On rejoint tout de suite Cécile. Vous êtes avec Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France. Oui Fabien, c'est un petit peu le chaos cette première période. Vous vous y attendiez, mais est-ce que vous vous y attendiez autant? Oui, effectivement, on s'attendait à ce type de match avec cette équipe. Voilà, il faut répondre comme lors de la première mi-temps, avec la même chose. Stratégiquement, comment vous allez gérer votre banc? Déjà, on a pas mal entamé le banc, mais je pense qu'on a la capacité de finir le match avec les joueurs qui sont disponibles, plus le fait qu'on joue avec 6 points d'avance. Et qu'on est juste dans la stratégie. Merci Fabien, merci. Voilà Mathieu, maintenant la question est de savoir si le 15 de France va pouvoir bénéficier de cette supériorité numérique en seconde période, on l'espère. Oui, même si on a quand même vu que ça avait un peu galvanisé ces Sud-Africains au moment où Dutoit, qui a été auteur d'un geste honteux, hein, il faut le dire, sur Jonathan Danti, visiblement fracture du plancher orbital pour le 3/4 centre de l'équipe de France, ça a quand même un peu galvanisé les Springboks de se retrouver à 14 contre 15, Dimitri. Oui, bien sûr, de toute façon, ils le savent, à 14 contre 15, il faut être encore plus présent physiquement, il faut être encore plus précis tactiquement aussi, parce qu'ils ne vont pas pouvoir jouer trop sur la largeur, parce que c'est très énergivore. Je pense que l'analyse faite à la mi-temps par les Sud-Africains, c'est qu'il y a un secteur de jeu qui est dominant pour eux, c'est le secteur des ballons portés. Ils ont d'ailleurs marqué un essai en première mi-temps là-dessus, donc attention à nous, restons solidaires comme on l'est depuis le début du match. Et un brin de folie serait pas mal pour cette seconde période. C'est ce que l'on souhaite, le coup d'envoi cette deuxième mi-temps à venir pour les Sud-Africains. Et le demi d'ouverture, Damien Willemse qui va donner le coup d'envoi de ce deuxième acte. Avantage français 10 pour l'instant, c'est reparti. Avec Grégory Aldrit qui a contrôlé ce ballon. Winnie Antonio est bien revenu sur le terrain, il va faire son maximum pour gagner des minutes précieuses, parce que c'est vrai que les solutions de rechange, eh bien, ça menuise hein, sur le banc des remplaçants côté français. Une bonne sortie de camp encore une fois assurée par l'équipe de France. La ligne bleue. Wardy est entré, Falatea est entré, Taofi Fenoa, Makalou. Et vous m'entendez? Oui, bien sûr Cécile. Parfait. Vous allez, comme vous pouvez le voir, au lancer, Mbonambié est de retour. Oui, il était lui aussi sorti sur un protocole commotion. Malcolm Marx est donc retourné sur le banc pour les Sud-Africains. Prise de balle et de ses bêtes. Colissi qui a pu transmettre à Colby. Oh là là. Percussion sur Gelon. Il n'y a pas que ceux qui font 1m90 ou plus pour déménager côté sud-africain. C'est dans leur ADN, on vous l'a dit. Ça s'illustre à chaque impact ce soir. Makalou dans les airs, ça c'est bien. Il n'est pas dans sa position habituelle, Makalou. Il s'en sort très bien. Contre Rock, et oui, pénalité. Ça a manqué de soutien derrière pour le protéger. See ya, just one second. You've got the penalty, but there seems to be everyone wants to commentate and tell me how to do everyone. So please, enough shouting now, please. That was Bongi, not you. No. He's shouting at me. Monsieur Barnes qui se plaint effectivement des commentaires des partenaires de Colissi après les coups de sifflet de l'arbitre. En attendant, eh bien, c'est une pénalité accordée aux Springboks et donc à Cheslin Colby que l'on va voir ici d'abord dans un rôle de perforateur avant de le retrouver en tant que buteur. Oui, ça fait deux fois où on voit ce lancement de jeu où il y a un petit ballon porté. On voit l'ailier, en l'occurrence Colby, qui est venu sans s'y retirer pour vite aller prendre la ligne d'avantage. Et là, la ligne d'avantage, ils l'ont gagné sur ce contre-ruck, les Sud-Africains. Oui, il se cache et il a raison, Dutoit, qui a pris ce carton rouge à la 11e minute. Et la sanction risque d'être très, très lourde pour le troisième ligne de cette équipe sud-africaine. Il y aura une commission, évidemment, et une période de suspension
Kira avec cette vilaine faute. En attendant, on retrouve Colby qui tout à l'heure a pris une pénalité à 54 mètres en coin et qui l'a passé avec brio. On le retrouve cette fois-ci un petit peu plus près des poteaux, légèrement de coin pour ramener les box à 3 points de l'équipe de France. Ouais, et il est parfait pour l'instant, Cheslin Kolbe. 16 pour l'équipe de France, 13 pour l'Afrique du Sud. Ouais, belle frappe, Cheslin Kolbe qui a attaqué le premier poteau. On a vu ce ballon rentrant dans sa trajectoire. Et ce qui ramène les Sud-Africains à 3 points des Français. Et le renvoi à venir de Romain Tamac. Tapé long. Macalou dans les airs va mettre la pression, mais il est capté parfaitement par l'Afrique du Sud et en l'occurrence Franco Mostert. And use it. De Klerk du gauche, contré par Cameron Wookie. Bonne pression, est-ce qu'il a été touché ce ballon? Il me semble. Mais non, 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 non. Ouais, mais écoutez, tant mieux. Il a peut-être contré la chaussure de Klerk, oui. Mais pas le ballon. C'est ça qu'on a entendu, ouais. Ce petit bruit. De Klerk ce soir préféré à Cobus Reinhardt, le joueur de Montpellier qui est sur le banc des remplaçants. Lancé Marchand. Winnie Antonio qui est positionné en tant que relayeur. On peut imaginer un ballon porté. Et c'est Wookie en début d'alignement qui est sollicité. Et le voilà, le ballon porté. Allez, il est au chaud, il est bien parti ce ballon porté. Ouais, il y a là une faute grossière des Sud-Africains, avantage laissé pour l'instant. L'équipe de France, ça ne profite pas. On va revenir à cette pénalité. On a écroulé le mot, le côté Springboks. Ouais, il a été bien exécuté ce ballon porté. Prise de balle, premier sauteur. Et de suite à la retombée, on a mis la marche avant. Alors quel va être le choix d'Antoine Dupont? Là, il montre les poteaux. Et Thomas Ramos qui va se saisir de ce ballon. Et Thomas Ramos, 11 points en première mi-temps, 4 sur 4 au pied. Lui aussi est dans un grand soir, le buteur de l'équipe de France. Alors là, on voit un bon ballon porté des Bleus. Il faudra aussi solutionner la défense sur les ballons portés. On avait déjà été en difficulté la semaine dernière face aux Wallabies. Et ça a été aussi un petit peu le point noir de la première mi-temps. Oui, ça a été un des secteurs qu'on doit améliorer, même si on sait très bien que les Sud-Africains maîtrisent parfaitement ce secteur de jeu. Ils sont très puissants, ils adorent les épreuves de force pour venir défier l'adversaire. Et là on a bien répondu avec cette indiscipline sud-africaine. 41 mètres pour Thomas Ramos, applaudi par tout le Vélodrome, le buteur de l'équipe de France qui continue son 100% ce soir magnifique pour redonner 6 points d'avance au bleu, 19-13. Il n'y a pas de parasite dans la frappe de Thomas Ramos. Elle est fluide, elle passe au milieu des poteaux. Et ça fait 19 pour les Français. Reçu 5 sur 5 pour l'instant dans ce match, Thomas Ramos. Le renvoi de Willem C pour les Sud-Africains. Toujours dans la même zone, c'est Grégory Aldrit qui capte ce ballon. C'est vrai qu'ils ont tous tapé sur Grégory Aldrit, il me semble, depuis le début du match. Il en avait manqué un en début de match. Il s'est repris derrière le troisième ligne centre des Bleus. Et toujours ce même schéma avec le pied d'Antoine Dupont. Et cette longueur, on vous le disait, hein, c'est à quasiment 38 mètres en moyenne par coup de pied dans un match pour Antoine Dupont. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il est souvent sous pression. Hein. C'est un joueur qui est évidemment très surveillé, harcelé par les défenses. Et il arrive à avoir cette constance au pied alors qu'on... On est sur Jonathan Danty qui a le sourire. On est heureux de le voir comme ça, hein, Cécile. Même s'il a quitté ses partenaires tout à l'heure. Qui a pu rassurer sa famille. C'est tant mieux. Alors, on parlait de la défense sur ballon porté. Et là, encore une fois, on est en difficulté. Mais nous ne sommes pas disciplinés pour l'instant. Ils vont devoir le sortir. Voilà. Chandelle de De Klerk très haute dans le ciel marseillais. Ramos, attention, il y a peut-être un en avant. Ouais,
Et derrière, on est pénalisé. C'est rapidement joué par De Clercq, le filou repris à la course par Antoine Dupont. Colissi qui libère pour De Allende. Ah oui, à hauteur, il y a Willy Leroux, le bon retour de Moefana. Makalu conteste dans son rôle habituel de gratteur, troisième ligne. Oh, la passe au pied. La passe au pied derrière Antonio. Oh là 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 là. Ah oui, là, Antoine Dupont, il va prendre un carton. Et attention, parce que ça pourrait faire rouge là aussi. Ah oui, Fauve de Clercq. Un autre tournant dans ce match. Ouais. Fauve de Clercq avait vu que c'était Willy Antonio positionné à l'aile, qui a utilisé le jeu au pied. Et là, il le sait. Crains. Il le sait, Antoine Dupont, il a compris. Et évidemment, on va prendre toutes les précautions autour de Cheslin Kolbe. Oui. Il retombe sur la tête en plus. Not in position to contest the ball. Plays the man in the air. Le problème, c'est qu'il n'est pas en position de récupérer le ballon, donc il doit s'effacer. Okay, number nine. Ah, ça va faire carton rouge, red malheureusement. Card. Yes. Anyone disagree? C'est la règle. Ouais, y a c'est rien la à règle. Dire. C'est la règle. Rien à dire et on espère que tout va bien pour Cheslin Kolbe qui est retombé sur les cervicales et carton rouge pour Antoine Dupont. Alors on vous disait tout à l'heure l'équipe de France qui n'avait plus reçu de carton depuis 10 matchs. Et qui là perd son capitaine et les deux équipes vont finir ce match à 14 contre 14. Enfin, du moins, on l'espère. Coup dur. Ouais. Alors, quel va être forcément Maxime Lucu va devoir venir sur le terrain. L'ovation pour Antoine Dupont. Alors, évidemment, il n'y avait pas d'intention. On l'a vu, on en parle souvent, le regard d'Antoine Dupont était dirigé vers le ballon, mais ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas parce qu'il n'était pas en position de le récupérer, ce ballon, donc il aurait dû s'effacer. Et malheureusement, c'est rouge à la 47e. Décision juste de Wayne Barnes, les deux équipes à 14 contre 14. Que vont faire les Sud-Africains? Ballon porté sûrement. Ou la joue à la main. Ils sont positionnés pour la joue à la main pour l'instant. Et tout ça est parti de l'initiative de Fave de Clercq sur cette pénalité rapidement jouée. Il a mis le désordre dans la défense de l'équipe de France. Cheslin Kolbe va quand même sortir passer un protocole commotion. Hein, et Mapimpi fait son entrée. Oui, et là aussi, comme tout à l'heure, entre Bonambi et Marx, Mapimpi. C'est un redoutable joueur, ailier finisseur, 21 essais en 31 sélections avec les Springboks. Mais avant cela, et avant d'avoir des nouvelles plus précises de Cheslin Kolbe qui va passer son protocole commotion, moment de vérité sur cette touche à 5 mètres de l'équipe de France. Lancé Mbonambi, il faut être solidaire avec la prise de balle d'Etsebet. Attention, parce que là on a utilisé le bloc saut et Charles Olivon. Ouais, c'est Charles Olivon justement qui est pénalisé par Monsieur Barnes. Ouais, c'est ça, le risque c'est de soit on défend dans les airs mais il faut à tout prix récupérer le ballon, soit on ne saute pas et de suite à la retombée il faut faire reculer à tout prix ce back sud-africain. Alors en première mi-temps, notamment dans la fin de la première mi-temps, Dimitri, les Français n'allaient pas au contest dans les airs, ils se concentraient sur le sol, ça n'a pas réussi. Tout à fait. Là on sent qu'ils ont essayé de changer un peu d'option défensive. Oui, mais ça efface trois joueurs hein, défensivement après au sol, donc c'est extrêmement compliqué. Et évidemment, Maxime Lucu est dans les starts. Oui, il va faire son entrée à la place de Grégory Aldrit dans un instant. Eh oui, dommage collatéral du carton rouge de Dupont en attendant. Ils ont changé la zone, mais bien défendu de la part de Romain Tofifenoua. Ouais, mais avantage en cours. Oh. Avantage en cours et Fave de Clercq qui va jouer les bordures. Attention, oh. Attention à l'enchaînement de fautes aussi. Ah, il a sifflé, mais je suis pas sûr que ce soit le Sud-Africain qui l'ait touché ce ballon. Et deuxième pénalité là, concédée par les Français sur ces deux dernières touches. Et déjà la neuvième dans ce match. L'équipe de France qui tourne en moyenne depuis un an à 10 pénalités par match, déjà sanctionnée 9 fois. Et il reste encore une grosse demi-heure dans ce match. On va changer toute la première ligne sud-africaine. Hein. Enche, Mbonambi et Malherbe laissent leur place respectivement à Steven Kitschoff, Malcolm Marx et Vincent Koch. Alors,
Belle prononciation. Merci. Validé par le staff sud-africain, hein, évidemment. Corps qui vient d'ailleurs de signer au staff français. Et c'est une redoutable première ligne, hein, qui vient d'entrer en jeu. On a parlé de Marx tout à l'heure. Kitschoff, lui aussi, est un sacré client passé par notre championnat. Et Corps. Et on revient donc à se lancer. On est retourné à la case départ avec Marc sur Etsevet. Allez, il faut faire l'effort, les Bleus. Tenir bon là sur ce ballon porté en plancher. Une fois encore, le départ de Marx. Ouais, bien fermé. Bien plaqué, il a mis les mains dessus. Ouais, c'était Makalou. Oui. De Klerk. Avec la percussion de Kitschoff auprès, ils font mal hein, sur chaque impact. Ces Sud-Africains, ils gagnent leur duel pour l'instant. Oh, qui s'est sacrifié, tout comme Taofi Fenoa. De Klerk dans le fermé maintenant. Le roux. Ah, attention! Est-ce que Jelon a pu attirer le pied d'Arenso en touche? Pour l'instant, et c'est validé par monsieur Barnes. Peut-être falloir contrôler tout ça à la vidéo parce que ça s'est joué dans un tout petit périmètre. Ouais, et puis c'est bien fait. Hein. Deux temps, grand côté. Et on revient petit côté. 3 contre 2, bien négocié. On va surveiller les pieds, mais j'ai pas l'impression qu'il touche la ligne. Le pied droit d'Arense. Le droit, non, mais peut-être le gauche. Regardez l'effort le là, gauche, de Jelon. Non, il avait aplati avant. Rien à dire. Quatrième essai international pour Arense. Tout le monde était très bien placé. Monsieur Barnes, tout comme son juge de touche. Et l'Afrique du Sud revient à un point en attendant la transformation. Et on a changé évidemment de buteur. Maintenant, c'est Faf de Klerk qui s'y colle puisque Colby passe son protocole commotion. Oui, bien frappé. Très bien frappé. On disait qu'il n'avait pas de buteur avant ce match. Il passe tous les points ce soir, que ce soit Colby ou Faf de Klerk. Et pour la première fois, les champions du monde sud-africain prennent l'avantage dans ce match. 20-19. Ouais, grâce notamment à ce gros défi physique. Et ensuite, très bien joué, 3 contre 2, côté fermé. La bonne option prise par Willy Leroux de sauter le premier attaquant. Et vous le voyez à l'écran, Greg Aldrit quitte la pelouse. Le changement est effectif avec Maxime Lucu. Oui. Maxime Lucu et Sekou Makalou qui ne sont pas rentrés en jeu hein, la semaine dernière face à l'Australie et qui rentrent prématurément face aux champions du monde. Oui, tout à fait. Mais c'est le scénario de ce match qui dicte ses choix avec les blessures, le carton rouge d'Antoine Dupont et l'Afrique du Sud qui donc prend les commandes de ce match à la 52e minute. Voyons la réaction des Bleus avec ce renvoi long de Romain Ntamack sur Smith. Et il va falloir que le public de Marseille se manifeste, soutienne cette équipe de France. On n'y va plus, il y a juste un plaqueur, on ne va plus gratter ce ballon. Le Faf de Klerk va pouvoir se dégager, sortir ce ballon. Allez, voilà, il faut calmer un petit peu le jeu maintenant, on va voir la possession. Un bon ballon dans le camp sud-africain. Et Thomas Ramos qui donne de la voix. L'équipe de France a perdu son capitaine, mais il y a encore des leaders de jeu sur cette pelouse du Stade de France. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. La 12e victoire consécutive ce soir est à ce prix. Et évidemment, gros point sur le capitaine Fikou maintenant, hein, qui a pris les galons depuis le carton rouge. Antoine Dupont, bonne prise de balle là dans les airs de Cameron Wauki. Allez, remettre la marche avant avec Marchand. Aidé par Jelon. Ouais, bien repoussé. C'est un vent fort là, côté sud-africain. Taofi Fenoa repris par Etsevet. Oh, quel combat, mais quelle intensité. Etsevet dans cette rencontre. Ça ferraille sévère, Mathieu. Ouais. Les deux deuxièmes lignes sud-africains. Et on a perdu la possession du ballon avec Etsevet face à Lucu. Marx qui passe les bras maintenant pour Kitschoff. C'est une guerre de tranchées ici à Marseille avec des déblayages encore efficaces des Springboks de Klerk. On est sur un avantage en cours pour une position de hors-jeu. Les Sud-Africains qui prennent le contrôle de ce match maintenant. De Klerk. Oh là, il s'est manqué. Il manque de communication. Attention, c'est rebond. Il faut les prendre de volée. Ouais, on va revenir de toute façon à la pénalité. Position de hors-jeu. Ça se complique sérieusement. Ils sont encore une fois montés dans l'intensité, les Sud-Africains. Ouais, puis autant Etsebet, il était un peu maladroit en première mi-temps, mais là par contre, il a pris les choses en main. C'est le patron de ce paquet d'avant.
on subit et forcément lorsqu'on subit on est indiscipliné, on provoque la faute. Ils vont avoir l'opportunité à 43-44 mètres face au poteau français. Dixième pénalité contre l'équipe de France. Regardez, c'est bête, hein, le travail qu'il fait. Il le retourne. Koulissi qui fait l'effort aussi dans l'axe. Et derrière, ballon récupéré par Smith. Et l'équipe de France qui se mettra à la faute. Alors, on attend le ballon pour la pénalité de De Clercq. L'occasion pour moi de vous annoncer le deuxième jeu. Et cette fois-ci, il y a 20 000 euros à gagner. On félicite Jérôme Rebuin qui a remporté le chèque de 15 000 euros. Quelle équipe a marqué le premier essai du match ? Est-ce la France ou l'Afrique du Sud ? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7-3-3-3 ou bien vous téléphonez au 34-35. 20 000 euros à gagner dans cette deuxième mi-temps. De Clercq, un petit peu plus de 40 mètres face au poteau pour donner un matelas de 4 points aux Sud-Africains. Et ça passe pour Faf de Clercq. Ça fait 23-19 pour les champions du monde. Ouais, ça se corse, hein. Il faut à tout prix récupérer la possession du ballon. Faire redescendre un peu la tension parce que cette équipe de France est sous tension avec en plus la perte de leur capitaine et meneur de jeu Antoine Dupont sur carton rouge. On vient de prendre un 10-0 en un quart d'heure. Voilà. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Peut-être avec Gelon. Un bel impact. Ah, mais ils sont terriblement solides. C'est sud-africain, ça n'a pas bougé. Le ballon est là pour De Clercq qui pèse sur ce match énormément. Oh, là, c'est complètement manqué. Alors, jusqu'à présent, il assurait le jeu au pied. Dimitri, là, il a voulu solliciter son ouvreur. C'était pas l'idée du siècle. Non, parce qu'il voulait varier aussi. C'est lui qui prend la responsabilité du jeu au pied. Donc, il a beaucoup de pression aussi. Et il voulait se libérer un peu de cette responsabilité. Mais touche ratée hein, complètement. Ce qui va nous permettre de retrouver la possession. Et un bon ballon pour nous maintenant. Allez, Julien Marchand au lancer, 57e minute. Touche ultra importante dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Fond d'alignement. Après les 15 encore. On est à droite, on est bien organisé. Allez, il faut faire l'effort autour de Winnie Antonio maintenant. Grosse défense, ils se sont mis à la faute. Les Sud-Africains tentaient le coup, jouer l'avantage. Maxime Lucu avec Moefana dans le dos. Oh, il a résisté au plaquage. Romain de Tamac. Allez, fermez là-bas, il y a du monde. Encore. Ficou, fin de passe, qui retrouve du soutien dans l'axe avec Moefana qui s'arrache, qui passe le bras. Lucu avec Charles Olivon qui repique sa course. Quelle défense de Kitchoff. Woki maintenant avec Antonio. La réaction de l'équipe de France. Lucu, ils se mettent encore une fois la faute. Gelon. Ah ouais, là, il y a des fautes de harcelé. Partout côté sud-africain. Ramos en position d'ouvreur. Pas tout seul, ils vont être présents là, défensivement. Il va y revenir, monsieur Barnes. Oui, les fautes s'accumulent. Voilà, mais bonne réponse là, nous avons eu avec ce changement d'intensité des Français. On a repris la possession. Et là, il faut peut-être prendre les 3 points. Alors, c'était le 5e protocole commotion de ce match. Céline Colby ne reviendra pas sur la pelouse. Et c'est plus prudent. Et il va y avoir encore du changement. On va changer le poste de talonneur et de pilier droit avec Avenir. La sortie de Julien Marchand remplacée par son coéquipier toulousain Pea Tomovaca. Et Winnie Antonio va définitivement laisser sa place à Falatea. Petit point banc, il ne reste plus que Bastien Chalureau et Mathieu Jalibert. Ouais, dites-leur de se chauffer les épaules. Parce que quand il va falloir prendre part à ce match, il va falloir être prêt. Il y a des soirs où on se dit qu'on est bien en position commentateur ou dans son canapé. Oui, parce que, je vous le confirme, Mathieu. Ou d'avoir arrêté sa carrière comme vous, Dimitri. Après, ça donne envie quand même, dans un stade comme ça, avec une telle ambiance, à 10 mois de la Coupe du Monde. Mais il faut être prêt physiquement. Allez, Thomas Ramos qui passe une nouvelle fois cette pénalité pour ramener l'équipe de France à un point. 22-23. 20 minutes passionnantes à venir. Et les entrées en jeu, donc, comme le disait Cécile, de Pea Tomovaca et le retour de Falatea qui était déjà entré en première période sur un changement
sur commotion. 5 commotions quand même dans ce match. Et un changement sud-africain avec la sortie du 3e ligne centre Smith et l'entrée de Fourry. Et je vois Kobus Reina aussi faire son entrée. Et je pense que... Ah non, il remplace Faf de Klerk. Ouais, du poste pour poste. Et attention parce que Kobus Reina, c'est un autre profil, mais gazé comme on dit. Ça va à 10 000. Et le renvoi effectué par Willemse. Allez, Charles Olivon qui doit sonner la charge. Équipe de France qui doit remonter tout le terrain et ce handicap de 1 point. Ouais, avec l'angle fermé là, sur ce rock, sur la ligne des 5 mètres. C'est Maxime Lucu qui va trouver cette touche légèrement en dehors des 22 mètres. L'Afrique du Sud qui est notre bête noire, on vous le disait, hein, depuis 13 ans, 7 matchs, 7 victoires avant le rendez-vous de ce soir. Une équipe fidèle à sa réputation, brutale, qui marque ses adversaires. Okay. Et qui, bien que réduite rapidement à 14, est toujours sur rester dans ce match avant d'en prendre le contrôle. Lancer Marx pour être ses bêtes. Policier. Il attaque vite la ligne d'avantage. Là, on est un peu trop passif. Regardez, ils ont subi encore. Ils attaquent trop vite la ligne d'avantage. On loupe trop de plaquage. Reinhardt avec Kitschoff. Il gagne des mètres. Les Sud-Africains jouent en avançant avec Mostert maintenant. Bien plaqué. Le roux, retour intérieur sur Etsebet. Il faut Ficou, il faut Wardy, il faut Gelon. Oh là là, Etsebet. Allez, il a les mains sur le ballon. Il a récupéré ce ballon. Ah, il est à deux doigts de le prendre, ce ballon Gelon. Ne pas relâcher les plaquages et il s'approche dangereusement de la ligne. C'est sud-africain avec Dehaliende maintenant au large. 3 contre 2. Ouais, ouais. Et en bout de ligne, il s'est sacrifié Lucu. Ouais, bien, bon plaquage de Maxime Lucu. Magnifique. Magnifique plaquage de Maxime Lucu qui a sauvé la patrie avec Sekou Makalou en renfort en deuxième lame encore une fois. Un plaquage d'école, hein. Il est allé le chercher bien bas aux jambes pour le faire tomber. Regardez ici, 3 contre 2, il anticipe bien sur l'extérieur, il positionne bien son épaule. Et il va au sacrifice Maxime Lucu avec le bon retour en plus de Makalou. Allez, on a joué rapidement cette touche avec Gelon qui sonne la charge. Lucu avec la course maintenant pour Makalou. La foulée de Makalou, l'accélération. Il est repris aux jambes, pas tenu. Ah, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché ce ballon. Il n'a pas lâché ce ballon. Il faut qu'il le lâche, il était tenu. Est-ce qu'il était tenu? Ouais, il me semble. Ah. Je pense qu'il commence à vouloir se relever. Il était encore tenu. Alors, les Sud-Africains vont tenter cette pénalité. On va revoir tout ça. Est-ce que Sekou Makalou était tenu? Bien joué, hein, ce 2 contre 1. Côté fermé, Sekou Makalou qui va revenir intérieur. Là, il est plaqué. Il est relâché, il n'est pas tenu. Pas tenu du tout. Non, 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 c'est bien ce qui m'avait semblé à vitesse réelle. Il le tient avec ses deux pieds, mais pas avec les mains. Je ne sais pas si ça marche. Et ça gronde forcément ici au Vélodrome parce que c'est un moment important à la 63e minute de ce match. C'était bon camp. Ah oui. Avec un troisième buteur hein, côté Sudaf. Willemse après Colby et après De Klerk. Là, faut être solide dans la tête. La course d'élan de Willemse sous les sifflets, sous la bronca du Vélodrome. Et le sans 100%. Faute des buteurs sud-africains continue, quelle que soit l'identité du buteur. Ça passe sur une pénalité qui n'existait pas. Il n'est pas tenu. Oui, s'il avait été tenu, il aurait dû lâcher le ballon. Là, c'est dans l'élan. Alors juste une petite info côté 15 de France, vous le voyez, Wayne Barnes s'adresse à Charles Olivon parce que c'est lui qui est passé capitaine suite à la sortie sur carton rouge d'Antoine Dupont.
renvoi effectué avec la fusée Makalou qui est passée à 2000 à l'heure, met un ballon dans les mains et dans les pieds plus précisément des Sud-Africains. Kobus Reinhardt sous la pression de Woki. Ouais, bonne pression de Cameron Woki. Allez, il faut s'imposer dans les airs. Ouais, ça revient dans les bras de Kolisi. Ils ont la réussite qui revient. Et ils lancent le jeu depuis leur camp avec cette diagonale au pied. Attention, il était pris dans son dos, Damien Penaud et Mapimpi qui commet un en avant. Répit. Ils sont quand même inspirés, hein, les joueurs sud-africains. Regardez ici sur cette prise de balle dans les airs, emportée par Arendse et ensuite sur le retour. La passe au pied de Leroux, millimétrée dans le dos de Damien Penaud. Il en fallait de peu, hein, pour qu'il le récupère. Mapimpi, ce ballon. Très très bon ailier. L'équipe de France qui la semaine dernière, à peu près dans la même position, a su renverser le cours du match avec cet essai extraordinaire de Damien Penaud. On aimerait que l'histoire se répète ce soir. Avec Makalou qui va compléter le pack français, tandis qu'il me semble que les Sud-Africains restent à 7. C'est tout à fait juste, Cécile, pour cette mêlée pour Maxime Lucu. Et les Bleus. Auront tout connu en un an. Hein. Tout est parti sur cette série victorieuse d'une tournée de novembre où on avait balayé les All Blacks. Tous les scénarios ont été proposés à cette équipe de France et celui de ce soir. Oui, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Petit quart d'heure encore. On aura encore la possibilité de pouvoir marquer un essai, remettre la pression. Le 16e homme est là ce soir, le public du Vélodrome qui donne de la voix pour supporter l'équipe de France et cette mêlée dans le camp sud-africain. Crouch. Bind. Set. Un ballon vite évacué. Tamak. Moïfana qui prend l'intervalle, la face à Deliende. Kolisi a mis rapidement les mains dessus, il faut qu'il se sorte maintenant. Allez, c'est zone de rock. On a beaucoup de joueurs français au sol. Hein. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de joueurs disponibles. Allez, Ward, il faut faire l'effort. Ouais, il a bien nettoyé Kitchoff. Ouais, bien. Ballon lent. Retrouver des structures de jeu avec Gelon. Lucu, cette fois-ci, est là pour éjecter ce ballon dans l'axe. Joue au pied à venir de Romain Tamak. Allez, Damien. Damien Penaud au duel dans les airs. Ballon dévié par les Sud-Africains. Ils ont encore la réussite. Oui, très bonne montée défensive. Parfaite de Gelon. Grosse activité en défense hein, d'Anthony Gelon encore ce soir. Chambelle un peu profonde de Reinhardt. Allez. Ramos parfait à la réception. Il faut venir l'aider maintenant. Et c'est un Sud-Africain qui est pénalisé. Ouais, on a vu le geste de monsieur Barnes, c'est le joueur au sol qui ne s'est pas sorti assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Alors Faf de Clercq, depuis qu'il est sorti, a pris le rôle de porteur d'eau et on lui a même mis une oreillette. Ouais, il doit relayer les consignes de l'entraîneur en chef qui est un peu plus haut dans le stade Vélodrome et on revoit ici la faute sud-africaine. Ouais, le numéro 11 qui ne se sort pas assez vite. Et heureusement parce que ses coéquipiers avaient mis les mains sur le ballon, ils auraient pu récupérer ce ballon. Allez y croire jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Ces bleus-là sont capables de tout renverser en 12 minutes. Lancé Peato Movaka. Début d'alignement avec Cameron Woki et ce ballon partait qui s'enclenche bien. Movaka avait marqué un doublé comme ça contre les Blacks en novembre dernier. Peato Movaka qui nage bien. Avantage en cours pour l'équipe de France. Allez. Movaka, plus que quelques mètres à faire. Jouer cet avantage.
dans le dos, on a servi Ntamack. Allez, pour le jeu au pied, le duel dans les airs. Allez, maintenant le Roupenon, il est trop profond, ce jeu au pied, on va revenir à une pénalité, et compte tenu de la production en ballon porté, l'équipe de France va évidemment jouer la pénale touche, et ça pourrait aller à Dame à 10 minutes de la fin. En plus, carton jaune. 14 contre 13, ils vont finir ce match, les Sud-Africains. Il reste encore 10 secondes. Si l'action n'est pas encore en jeu. Mathieu Jalibert se prépare à entrer pour les 10 dernières minutes. Évidemment, la pénale touche est trouvée par l'équipe de France en supériorité numérique à nouveau. Alors que Mathieu Jalibert, qui avait fait une entrée décisive la semaine dernière au Stade de France. Il rentre à l'ouverture à la place de Romain Ntamack. L'équipe de France qui marque une grande majorité de ses essais entre la 60e et la 80e. On y est pile poil, 70e minute de jeu. Movaca a lancé. Il y a eu un petit problème dans le mouvement de Cameron Wauquiez. Il est venu buter au moment de prendre son impulsion avec un partenaire et ça a retardé son saut. Alors, c'est compliqué un peu la tâche, Mathieu, à mon avis, sur cette combinaison en touche en trois temps. Il faut tout recommencer maintenant, un peu plus de 25 mètres de la ligne sud-africaine. Alors qu'est-ce qu'il a, monsieur? Changement. Il y a du changement encore. On fait rentrer Marvin Ory à la place de Siya Kolisi. Capitaine sud-africain qui avait marqué cet essai en première mi-temps, qui avait complètement remis les Springboks dans ce match. Et là aussi, c'est une conséquence directe du carton jaune de Fourie il y a quelques instants. Réorganisation devant côté Springboks. C'est De Allende qui passe capitaine. Oui, le cadre majeur de cette équipe sud-africaine. Allez, il faut y retourner les Bleus. Movaca au lancer. Fond de touche. Fond de touche en jeu. Ils peuvent le plaquer, il est sorti des 15 mètres. Lucu. Movaca qui gagne ses duels depuis qu'il est entré en jeu. Peato Movaca, Lucu maintenant lance la cavalerie avec Mathieu Jalibert, premier ballon. Makalou a tout enjambé dans les 22 mètres sud-africains, plus que 5 mètres à faire. L'effort français avec maintenant Falatea face à Marx. Allez, propre là sur les phases au sol. Hoki, les plaquages sont terribles, mais il a rebondi Cameron Hoki. Ça plonge, avantage, nouvelle faute. Les Sud-Africains au point de rupture, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Allez, on touche. Ils sont un de moins au niveau du paquet d'avant avec le carton jaune. Et nous, on est en pleine confiance, en pleine euphorie. Là, il faut continuer. Alors, William Servette propose les trois points pourtant. Ouais, mais le choix des joueurs sur le terrain. Ce sera la mêlée, je pense. Non, ce sera la pénale touche. Ah, ben non. Avec Jalibert. Et là maintenant, bien communiquer, bien parler, prendre son temps, annoncer les blocs de saut. Simple sur le bloc de saut, simple, on est en confiance. Cameron Wauquiez, Charles Olivon, il y a des jumpers. Et Makalou même qui va se positionner dans l'alignement, voilà. C'est dévié avec le repris. À un mètre de la ligne, ils ont alterné l'équipe de France là sur ce lancement de jeu. Wauquiez qui jette un coup d'œil près de la ligne. Il reste quelques centimètres à faire. Allez, être pression, patient, avantage en cours. Il a franchi la ligne. Il a blotti. Accordé. Essai de Falatea accordé par Monsieur Barnes. Incroyable, encore une fois, ce renversement de situation, cette équipe de France est capable de tout, mais attention monsieur Barnes. Il veut voir si c'est pas en deux temps, à mon avis. Et non, il est validé. Il est accordé. Alors, ils nous ont surpris sur cette combinaison, mais c'est très bien joué. Ils ont de suite attaqué la ligne d'avantage. Il est venu échouer à quelques centimètres de la ligne. Et ensuite, deux relais. Le neveu Moïfana
et le tonton. Voilà, et c'est familial. Falatea pour aller inscrire cet essai. Medine Futuna pour l'équipe de France. Un essai qui fait du bien, 27 à 26, la respiration collective. On va tous reprendre notre souffle. Oui, c'est ce que j'allais dire, on peut tous faire de la cohérence cardiaque là. Ce groupe France a du caractère, est en confiance. C'est évidemment une équipe qui refuse de perdre depuis plus d'un an maintenant. Qu'est-ce qu'il attend, Wayne Barnes ? Qu'est-ce qu'il attend ? Ah, mais il y a contestation hein, dans les rangs sud-africains parce qu'ils ont revu dans les écrans géants l'image où on a effectivement l'impression que Falatea il va en deux temps. Hein. Et là, Monsieur Barnes, il n'autorise pas Thomas Ramos pour l'instant à tenter cette transformation. Il est interpellé visiblement par Brian McManus, l'arbitre vidéo. Tension extrême. Ouais, le temps est arrêté. Brian, can you hear me? Okay, have we lost comms with the TMO? Ils ont perdu le contact avec l'arbitre vidéo. So have we lost comms with the TMO? Okay, we cannot hear the TMO. Just so you know, il y a un problème avec la communication avec la vidéo de arbitrage. Donc, on aura tout eu dans ce match. Ouais. Ouais, surtout là, à 5 minutes de la fin. Il faut rétablir la connexion avec Brian McManus dans le cas régie, l'arbitre vidéo. Please, don't do that again. Thank you. Ouais. De l'attention avec M. Barnes qui évacue notre caméraman sur le terrain. Ouais, c'est validé. Et c'est validé. Alors là, c'est sûr. C'est sûr. On respire. Ouais, on respire et c'est pas fini hein, parce qu'il va y avoir 5 minutes de haute tension. Après la transformation de Thomas Ramos, il va falloir assurer la réception du renvoi. Allez, Thomas. Ah, c'est manqué, et l'équipe de France mène d'un point comme la semaine dernière face à l'Australie après cet essai de Falatea en force, 27 à 26. Sortez les défibrillateurs, là il va falloir bien gérer ces dernières minutes, 4 minutes 30 précisément. Et le renvoi va être tapé par Manny Libok qui vient de rentrer et qui a remplacé Jesse Krill. Le banc sud-africain est vide, il reste Bastien Chaluro côté français. Ah, ils ont varié la zone et super. Bien réceptionné ça. On met au Fifenoua, c'est tackle, parfait. Let go, c'est un plaquage, il va falloir qu'il lâche maintenant. C'est annoncé par Monsieur Barnes, l'arbitre. Et Maxime Lucu, le fidèle, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu évidemment avec la concurrence du capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. Non, mais à chaque fois qu'il rentre en bleu, il joue juste, il joue parfaitement. Et là, il dégage le camp bleu le plus loin possible. Ça va revenir avec Leroux. Allez, mettre les barbelés maintenant. Ouf, là sur les extérieurs. Ouais, elle, est ouais, elle est tellement pas mal qu'elle est en avant. Au cordeau. Au cordeau. Il n'y a pas l'air d'accord, Rudy Leroux. Mais Monsieur Barnes avait besoin de réaugmenter sa cote de popularité ici au Stade Vélodrome. Allez, dernier appel pour tenter de gagner un chèque de 20 000 euros dans cette deuxième mi-temps suffocante ici au Vélodrome. Quelle équipe a marqué le premier essai du match ? Est-ce la France ou l'Afrique du Sud ? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7-3-3 ou bien au 34-35. C'est le feu au Vélodrome. Un point à défendre et 3 minutes à jouer. Allez, solide en mêlée, hein. On a été un peu chahuté là dans ce secteur de jeu, notamment en seconde période. Il va falloir l'assurer. Un bon impact, un bon talonnage vite dans les pieds du numéro 8. En l'occurrence, c'est Makalou qui s'y est positionné. Et voilà, on a vidé le banc, Cécile. Oui. Sacrée première pour Bastien Chaluro qui remplace Cameron Rocky. Oui, on va amener un petit peu plus de densité pour disputer cette mêlée, hein, des profils de joueurs
différent. Très bon match de Cameron Wookie ce soir. Ouais, bon coaching hein, sur la mêlée fermée. On a besoin de plus de puissance. Et là, Taofi Fenua et Chaluro. Alors, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, mais ils vont constituer l'attelage dans ces derniers instants. Chaluro, champion de France avec Montpellier. Et grand baptême du feu ce soir pour lui à Marseille. Et pourquoi pas faire l'effort et récupérer une bonne pénalité là, à 3 minutes de la fin. Ah, ils ont rappelé Deayende là, qui est venu se positionner au poste de 3ème ligne. Ils sont à 13, on le rappelle, avec un carton rouge et un carton jaune. L'effort est fait. Poussé. Allez, l'effort est fait. Allez, encore. Allez, tends le bras. Ouais, c'est elle fait. Elle est là, la pénalité. Le point rageur d'Anthony Gelon. L'effort collectif à l'image de ce 15 de France. Cette solidarité à toute épreuve encore ce soir. Et à 2 minutes de la fin, l'occasion alors, éventuellement bah, de prendre 4 points d'avance à l'abri d'une pénalité. Ouais, ou garder la possession, aller en touche. Quel va être le choix? Okay, il va tenter. Il est à 100% ce soir, hein, Thomas Ramos. 60, oui. 60 non, il en a loupé une juste avant. C'était quoi? J'ai oublié. La transformation, la transformation de l'essai de, ouais, en effet. Je parlais des pénalités, évidemment. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi. Je n'étais pas concentré, excusez-moi, Mathieu. Elle va valoir très très cher, cette pénalité. Dutoit ose à peine regarder le chrono. 1 minute 50 encore à jouer. Ce coup de pied pour ramasser les bleus. Pour ah, prendre 4 points d'avance. Il faut qu'il monte, il peut y avoir un poteau, tout peut arriver. Allez, rentre. Allez, elle est passée. Elle rentre, celle-ci, pour Thomas Ramos, France 30. Afrique du Sud 26, 4 points d'avance, on est à l'abri d'une pénalité. Il va rester 1 minute 15 à jouer. Alors qu'Anthony Gelon a été désigné homme du match ce soir au Stade de France. Pénalité. Oh, ils l'ont gagné. Le renvoi est attention, rapidement. Ils ont gagné. Ils ont repris la possession. La dernière possession de ce match pour les Sud-Africains qui vont lancer la cavalerie. Mapimpi. Pas de faute, hein. pas de faute, pas de pénalité surtout. Encore un gros plaquage de Gelon et après Penaud. Et maintenant Moïfana, faut lâcher. Pas de faute. Non, il était bon, il était bien. Ouais, c'est gagné Mathieu. C'est gagné, le ballon est gagné. Il y a allez, au chaud. Hein. 30 secondes à tenir pour aller chercher une 12e victoire consécutive et battre les champions du monde à Marseille, ce qui n'est plus arrivé depuis 13 ans face à cette formation sud-africaine. Lucu, gérer les dernières secondes, faire des petits tas. Allez, 20 secondes. Allez, les soutiens, solides, pas de faute, restez sur les appuis. Il est là, il est toujours bleu ce ballon. 10 secondes à jouer encore. Et toute l'équipe est là, toute l'équipe de France est là dans les 15 mètres. Jalibert a pris de la profondeur. Allez, il est servi par Lucu. C'est gagné. Elle est là, la 12e victoire consécutive de l'équipe de France face aux champions du monde. La série d'invincibilité se poursuit au terme d'une bataille épique ce soir face à des Sud-Africains toujours aussi redoutables. Une victoire 30 à 26. Bravo. Bravo les Bleus. Le test est passé. Ça a été dur. Mais il est passé. Ah, il est passé, on peut les féliciter, les 23 joueurs qui étaient inscrits sur la feuille de match aujourd'hui parce qu'ils ont réalisé vraiment une énorme performance collective avec un scénario improbable. Mais c'est ça aussi le haut niveau, il faut savoir s'adapter. Et ils ont pu être décisifs comme ils l'ont été d'ailleurs la semaine dernière dans les 10 dernières minutes. Et là en l'occurrence c'est le paquet d'avant qui a fait la différence, la lucidité des finisseurs. Le bon coaching aussi de faire entrer Chaluro sur cette dernière mêlée fermée où on a récupéré une pénalité. Bravo à eux et maintenant il va falloir bien récupérer pour préparer le Japon dimanche prochain. Oui, pour terminer cette folle année invaincue et pourquoi pas enquiller une 13e victoire d'affilée pour cette équipe de France qui en tout cas a relevé le défi sud-africain. La seule équipe qu'il n'avait pas encore affrontée depuis l'ère Galtier, c'est fait. L'équipe de France s'impose. Ça va encore une fois accroître la confiance de ce groupe qui refuse de perdre, Dimitri.
même dos au mur, dans des scénarios de match très compliqués avec, on l'a vu ce soir, beaucoup de blessés, le carton rouge, le capitaine qui quitte ses partenaires. Et bien cette équipe de France, elle a su renverser la vapeur dans un moment très très important avec les 7 Falater. Oui, et puis je crois que depuis 15 jours, on a aussi changé de statut, parce que ces matchs-là, il y a quelques années, on les aurait perdus. C'est ce qu'on enviait un petit peu aussi aux autres équipes, de nous d'être dominés pendant un certain temps, puis de nous remporter les matchs dans les derniers instants. Et bien là, c'est en train de basculer, on est en train de basculer dans une autre dimension, à 10 mois de la Coupe du Monde. Donc c'est, voilà, c'est positif que ce collectif réponde présent, avec encore une fois des faits de match et un scénario aujourd'hui qui sont assez improbables, donc ils se sont très bien adaptés. Le staff aussi s'est bien adapté dans le coaching. Bravo à eux, parce que ça n'a pas été facile face aux champions du monde. Il avait sorti la grosse équipe hein, ce soir, 14 joueurs sur les 23 sont champions du monde hein. C'est une équipe qui a un gros vécu ensemble, ça n'a pas beaucoup bougé depuis le titre de champion du monde. C'est une équipe qui sort du rugby championship, qui arrive avec des repères très forts, 5 mois de vécu en commun. Et pourtant, les partenaires de Charles Olivon ont résisté. Elle est magnifique, cette image entre les partenaires du RCT. On est heureux aussi de voir que ça va bien pour Cheslin Colby et le Fleet Farm Desire qui enflamme le Vélodrome. Ouais, et puis les scénarios se suivent et se ressemblent. L'année dernière, on avait battu les Néo-Zélandais qui, une semaine auparavant, avaient été battus par les Irlandais. Même scénario cette année avec les Sud-Africains. Dans un registre différent, très différent. Très différent, mais ça reste des scénarios de match qu'il faut gagner à 10 mois de la Coupe du Monde. C'est très important pour l'histoire de cette équipe et pour la lignée de cette équipe. On a déjà hâte d'être à dimanche prochain, tellement cette équipe de France fait plaisir, collectivement, elle fait vraiment plaisir. Oui, elle dégage cette sérénité quand même assez bluffante hein, parce que être mené comme ça par les Sud-Africains après avoir perdu son capitaine. Et Charles Olivon est arrivé au micro de Cécile. Le grand Charles, c'est pas moi qui suis petite, je précise. Charles, c'était le chaos ce match. Franchement, même nous de l'extérieur, on a souffert pour vous. Ouais, c'est le chaos. Déjà, toutes les zones de contact, c'est le chaos. Dans le match aussi, il y a eu beaucoup de moments positifs, de moments négatifs, beaucoup de turnovers. C'était un peu décousu, mais on s'était pas mal entraîné sur ça cette semaine avec beaucoup d'occupations. Donc, je pense qu'on a tenu le bras de fer et c'est grâce à ça qu'on l'a emporté. Vous refusez de perdre, en fait, presque. Vous avez battu tout le monde, c'était la dernière nation à battre. C'est une magnifique préparation pour la suite. Ouais, c'est magnifique. On a envie de garder les pieds sur terre quand même parce qu'on sait quel est l'objectif pour tout le monde. Mais honnêtement, c'est magnifique et tout le monde mérite cette belle victoire. Comment vous vous êtes senti sur le dernier essai ? Très très bien, très très bien. Franchement, ce stade il est incroyable. Marseille, c'est incroyable, c'est fort. Franchement, c'est génial de jouer ici. On vous laisse profiter. Ouais, ces Bleus ont ce talent-là aussi. Ils électrisent les foules partout où ils vont. Ce sera le cas encore la semaine prochaine à Toulouse pour le dernier match de cette série d'automne face au Japon. Mais il y a encore une fois cette communion ce soir entre ce groupe de l'équipe de France qui a toutes les qualités d'une grande équipe et qui, évidemment, maintenant ne pourra plus se cacher. Hein. C'est l'équipe à battre. C'est l'équipe qui se positionne à 10 mois de sa Coupe du Monde comme un prétendant plus que sérieux au titre après ce succès face aux champions du monde. L'homme du match, Anthony Jelon, immense en défense ce soir. Oui, immense en défense comme... J'imagine que vous allez me répondre, tous vos coéquipiers. Alors, vous étiez attendu sur ce secteur-là. Est-ce que vous vous attendiez à ça, à cette intensité-là ? Mais je crois qu'on n'avait jamais joué contre des avants aussi costauds. Et à l'Afrique du Sud, on savait qu'ils étaient costauds. Mais ce soir, ils nous ont montré qu'ils étaient vraiment costauds. On a eu du mal, mais je crois qu'on s'est accroché ce soir. Et tout le monde a été solidaire. Et c'est ce qui nous a fait gagner ce match avec ces 70 000 personnes. C'était génial. Alors vous avez l'habitude d'envisager tous les scénarios possibles, mais alors 5 commotions, 2 cartons rouges, est-ce que ça, vous l'aviez déjà travaillé à Marcoussis ? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas travaillé ça, on pensait pas qu'on allait avoir autant de blessés aussi vite, mais je crois que tous les autres, on s'est tous accrochés, même si Antoine il se fait sortir à la 50e, Maxime il fait une grosse rentrée ce soir et on a tous été solidaires devant et même derrière en défense, donc ce soir c'est génial et c'est grâce à ces 70 000 personnes qu'on a réussi à faire ça. Vous êtes en train de devenir imbattable ? Je ne sais pas si on est imbattable, mais ce soir on a vu qu'on aurait pu être battu, la semaine dernière aussi, mais,
il va falloir qu'on continue comme ça et on est sur la bonne voie. Et je crois que ces 30 dernières minutes ce soir, elles vont nous faire vraiment du bien pour la suite. Merci Anthony. Oui, c'est vrai Vincent Clerc, que ce qui frappe ce soir, c'est la force mentale de l'équipe de France. Cette capacité à ne rien lâcher, à l'image de ce dernier essai, et cette variation sur la touche qui était quand même très culottée, il faut le reconnaître. Oui, ce qui a fait la différence, effectivement. Encore une fois, le banc a fait du bien et le mouvement, la vivacité que les remplaçants ont pu mettre. On a vu Mathieu Jalibert, on a vu cette combinaison magnifique pour déstabiliser un peu les Sud-Africains et d'avoir la capacité de changer de stratégie en cours de match, et notamment quand on est derrière et qu'on a la pression, c'est preuve d'une belle sérénité de cette équipe de France. On retrouve Cécile avec Fabien Galthié. Fabien, Anthony vient de nous dire que ces 30 dernières minutes allaient peut-être changer complètement l'histoire de cette équipe. Est-ce que ces 80 dernières minutes même ne vont pas changer l'histoire de cette équipe? Je sais pas, mais déjà, c'est une expérience. On a vécu une expérience forte encore ce soir. Et on a gagné. On est allé chercher cette victoire. On voulait gagner. N'importe comment, mais on voulait gagner. On est allé chercher cette victoire dans un scénario très particulier, en tout cas. Changer, je pense pas, parce qu'on avance, on avance. Et on est en chemin, on est en bon chemin. C'est ça le bonheur? En tout cas, on fait ça pour ça. Là, les joueurs, ils ont compris pourquoi ils jouent au rugby depuis tout petit. Pourquoi depuis leur plus jeune âge, ils font des efforts pour jouer dans leur club, ensuite pour jouer en équipe de France. C'est ça le sens, surtout. C'est ça le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Et ce soir, on a trouvé le sens. Merci Fabien. On a trouvé le sens. Bon, tant mieux. À un an de la Coupe du Monde ou à moins d'un an, c'est plutôt bon signe. Ce qui frappe ce soir, Vincent Clerc, c'est les Sud-Africains. Ce qui frappe, c'est les Sud-Africains. Mais ce qui frappe surtout, c'est la solidarité qu'il y a entre ces joueurs et cette capacité à occuper différents postes. Je pense au match, par exemple, de Sekou Makalou aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est incroyable à ce niveau-là sur le terrain. Jouer à l'aile, varier en allant en touche, ensuite varier en poussant une mêlée, retourner à l'aile. Enfin, j'ai jamais vu un truc pareil. Dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une grosse force de cette équipe de France. La polyvalence aussi, mais c'est vrai que Sekou Makalou, depuis un an, on entend parler de lui avec cette possibilité de le repositionner à l'aile dans des positions difficiles. Et c'est vrai que c'est très fort de pouvoir jouer à un match de ce niveau-là avec autant de pression et pouvoir basculer d'un poste à un autre, qui est quand même pas du tout le sien, le poste d'ailier. Même s'il a les qualités de vitesse, vraiment cette équipe de France, elle a cette qualité de pouvoir se multiplier sur le terrain et puis d'être très sereine, on le redit, mais d'aller chercher une victoire dans un match très difficile, de la construire petit à petit et puis d'aller chercher cette mêlée dans les derniers instants. Vraiment, elle a cette confiance en elle qui fait basculer les matchs. Elle ne doute jamais à aucun moment. Alors, s'il y a des points à améliorer, parce qu'en fait, ce match va servir également de révélateur. Fabien Galthié le disait, ce soir, l'équipe de France a encore une fois beaucoup appris, emmagasiné énormément d'expérience. Ce soir, peut-être un point à noter, le curseur à élever un petit peu peut-être sur l'intensité physique. Le côté méchant peut-être Je sais pas, parce que le côté méchant les a perdus, les Sud-Africains. En tout cas, c'est vrai que le défi physique, quand on n'arrive pas à mettre de vitesse, on voit que ça se joue à pas grand-chose et que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Quand on arrive à vraiment mettre de la vitesse, on a des qualités physiques, mais on a aussi de l'habileté, de l'intelligence. Et je crois que c'est ça qui peut nous apporter un peu plus, c'est de croire en notre jeu. Et puis quand on est face à du défi physique, arriver à trouver les solutions aussi par la vitesse, parce que je crois que cette équipe de France, en fait, elle a toutes les qualités, mais quand elle arrive à jouer, à tenir le ballon, elle est quand même très très dangereuse. Et c'était le but ce soir de Mathieu d'imposer. Ah, je vais retrouver tout de suite Cécile, après je viens vous voir, Mathieu. Cécile. Avec Yoram Moefana et Sipili Falatea qui vont fuir parce qu'ils détestent évidemment le micro, mais on voulait juste savoir en famille ce que ça faisait de vivre cette émotion-là. Bah, en vrai, c'est énorme. Ça a été dur jusqu'à la fin, comme on a pu voir sur les scores. Et jusqu'à la fin, on n'a rien lâché, on a continué. Et voilà, je pense qu'on est juste content. Et on va apprécier ça ce soir et très heureux. C'est Philly, merci. Hein. On a juste envie de vous dire merci de nous avoir tous libérés ce soir. Bah, en fait, je voulais plutôt me rattraper de la touche qu'on avait perdue parce qu'on s'est mal compris. Et du coup, bah, pour me rattraper, je voulais apporter quelque chose à l'équipe et c'était assez bon. Merci, on vous laisse profiter les garçons. On aime aussi cette humilité qu'il y a entre ces joueurs. C'est-à-dire que, en fait, chacun rentre sur le terrain avec la volonté juste d'apporter sa pierre à l'édifice.
C'est ça qui est notable dans le coaching systématique de Fabien Galthié. Et puis l'objectif, ils l'ont dit, c'est superbe cette série de victoires, mais l'objectif, il est dans 10 mois d'être champion du monde. Et tout le monde a envie d'appartenir à ce groupe. Et il va être difficile à construire ce groupe, parce que quand on voit le talent qu'il y a, quand on voit les joueurs qui arrivent à faire des performances quand ils rentrent, et des fois pas à leur poste, mais c'est comme ça qu'il y a les performances, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émulation dans cette équipe aussi. Alors je disais que les joueurs avaient beaucoup appris, je pense que le staff qu'on voit ici, je pense qu'ils sont déjà en train de débriefer ce match, Mathieu. Le 15 de France et les consignes de Fabien Galthié, c'était de prendre le jeu à son compte ce soir, d'imposer sa stratégie. Le 15 de France a essayé de le faire, dans les 20 premières minutes ça a marché, et puis à un moment, la machine se grippe. Et ce qu'il faut noter, c'est que même quand la machine se grippe, eh bien, ce groupe a le caractère pour reprendre le fil du match. Oui, on peut élaborer tous les plans, mais après, ce qui se passe sur un terrain de rugby, c'est très aléatoire. On l'a vu ce soir avec ce scénario de malade, hein, 5 commotions, des cartons rouges, le capitaine de l'équipe de France qui sort. Vous parliez d'humilité incarnée évidemment par Falatea et Moefana. Que dire de Maxime Lucu qui a très peu de temps de jeu. Cécile le disait tout à l'heure, il n'était même pas entré en jeu la semaine dernière face à l'Australie. Il a géré aussi de main de maître cette fin étouffante dans ce match face au Springboks, Dimitri. Oui, mais je crois que c'est la force aussi du staff de cette équipe de France et du groupe France, c'est que lorsqu'on rentre sur le terrain, on se fond dans le collectif. Et puis je pense qu'il y a une donnée qu'on ne maîtrise pas réellement, c'est le 16e homme. Aujourd'hui, je joue au Vélodrome avec un public pareil, et bien, ça vous enlève tous les petits bobos, ça vous donne une force qui est démultipliée, une solidarité qui est juste... excellente jusqu'à la fin. Donc c'est il va rester ce match, il va rester. Et ça vous donne une 12e victoire consécutive. On va retrouver Romain Tamac qui est avec Cécile. Oui, Romain, on parle de l'importance du public, alors c'est un petit peu classique, mais en vérité ce soir, quand on sait l'intensité qui vous attendait et ce qui s'est passé, ce public ce soir a joué un rôle immense. Ouais, forcément on s'attendait à ce qu'il y ait une ambiance chaud bouillante ici, mais je pense qu'on s'attendait pas à autant, donc non, c'est incroyable. Ils nous ont poussé dans les moments compliqués, donc je pense que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à marquer ce dernier essai avec l'apport du public, c'est important en fin de match. Avec un scénario très particulier, il y a aussi l'apport du banc qui plus que jamais a eu une importance capitale. Oui, bah, de toute façon on le sait, le rugby aujourd'hui se joue à 23 et on travaille toute la semaine en faisant tourner tout le monde pour que les finisseurs apportent ce qu'ils doivent apporter sur le terrain. Ils l'ont montré la semaine dernière qu'en Australie, ils le montrent encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un travail qui est fait à 23 et même plus encore. Donc bravo à tout le monde. Ces 5 dernières minutes, vous allez vous en souvenir longtemps? Oui, on va s'en souvenir longtemps. On voit que malgré tout, tous les scénarios possibles et inimaginables, je ne sais pas si on avait envisagé celui-là. Donc non, c'est bien que l'équipe ne se soit pas démobilisée à 26-22 avec ce carton. L'équipe est restée la tête haute et la tête froide et on a réussi à pousser, à marquer ce dernier essai qui nous fait gagner tout simplement. Donc le caractère de l'équipe grandit de match en match. Merci Romain. Ben justement Cécile, ce que je vous propose c'est de le revoir ce dernier essai avec Vincent, avec un essai qui est parti de la touche française qui a été excellente ce soir. Très bonne conquête en touche et puis cette variation qui permet justement d'approcher de la ligne. Oui, on a essayé de s'appuyer sur la puissance de Moefana. Et puis voilà, c'est en famille que c'est resté avec ce pick and go qui est venu conclure cet essai. C'est vrai qu'on avait vu l'équipe de France insister sur des ballons portés, essayer de mettre en difficulté les Sud-Africains. C'était un peu plus dur et c'est en passant par du mouvement, voilà, un peu plus de vitesse. Et ils ont insisté pour aller chercher cet essai à 14 contre 13. Mais voilà, c'est bien joué. Et encore une fois, de prendre ce risque, même si c'est pas un risque quand on maîtrise le geste, quand on maîtrise la combinaison, est-ce que encore une fois qu'il y a une grande force de l'équipe de France, c'est de maîtriser ces mouvements. On a vu qu'elle a mis en danger l'Afrique du Sud sur un mouvement sur touche en première mi-temps et de la même manière elle les a mis en danger pour finir par marquer sur la fin du match qui fait basculer et remporter ce fabuleux match d'une intensité rare. Et Vincent et Cédric, je vous annonce qu'il y aura une polémique demain dans la presse sud-africaine. Oui. Parce que quand on revoit les images de Falatea, on a quand même l'impression qu'il marque en deux temps. On n'a rien vu. Nous, on n'a rien vu. Mais les Sud-Africains l'auront évidemment remarqué. Bon, écoutez, on en reste là, Mathieu. 30-26, c'est le score de finale de ce soir. L'équipe de France qui reste donc invaincue sur une série de 12 victoires. Moi, je connais un autre vainqueur ce soir, Mathieu. C'est le vainqueur des 20 000 euros. Il s'appelle Jérôme Giraud, figurez-vous. Et il remporte donc ses 20 000 euros. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que les tests de l'automne continuent sur France Télé.
La semaine prochaine, le 15 de France, on l'espère, pour une 13e victoire d'affilée, affrontera le Japon. Rendez-vous à partir de 13h40, ce sera dimanche prochain sur France 2. Vous avez également rendez-vous avec les Barbarians samedi 19 novembre, ce sera du côté de Lille, au stade Pierre Mauroy. Allez-y, il reste encore des places. Voilà, merci à tous. Vous retrouvez évidemment Mathieu Lartaud demain soir dans Stade 2. Et Greg Aldrit, spécial invité de Stade 2 demain soir. Vous êtes soulagé, Mathieu? Bah, je suis soulagé parce qu'il ne s'est pas blessé. Oui, donc il sera bien sur le plateau demain. Je savais que vous aviez un œil sur lui. Dans un match comme ça où il y a eu 5 commotions, on a tremblé tout le match, mais il sera bien avec nous. Voilà, merci en tout cas Mathieu et Dimitri. On se retrouve la semaine prochaine. Merci également à Cécile Gray au bord du terrain, toujours impeccable. Merci à Vincent Clerc et à Fred Godard qui réalisait le match ce soir. Salut Cécile. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Léa Salamé pour Quelle Époque. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur France 2. Salut.